bienvenue, c'est avec enthousiasme que je vous présente mon nouveau format sur cette chaîne qui est un format d'actualité. Actualité que j'ai mis un peu galéré à compiler dans le sens où, comme de par hasard, cette semaine où je décide de lancer mon truc, c'est une semaine où j'ai masse de choses à faire à côté et où du coup j'ai dû compiler mes actus ce matin en loose day juste avant ce live. Donc, vous m'en voudrez pas si c'est un peu fouillis et brouillon. Je pense que cette émission, de toute façon, va changer en cours de route. Je vous mets la musique. Y a pas la musique, là. J'ai pas la musique. Que se passe-t-il? Attendez. Non, il y avait la musique tout à l'heure. Quel est le fuc? Peut-être à dire... Ah bah c'est cool, merci. Merci, merci. Attends, à quel moment il a bugué le truc de musique là? Une blague. Bah non, mais si on fait ça sans musique, ça va être triste quand même, enfin... Il marchait quand j'ai fait les recs, il marchait le saleté de truc. Qui suis-je de moi? Ah non, c'est bon. Vous l'avez, vous, la musique? Bon, mon volume a baissé dans mon casque, mais bonjour, Negus Brain. Ouais, parfait, GG. Bienvenue à toi. Hop, alors, nous repartons. Ouais, ok, non, c'est moi, c'est mon casque qui s'était déréglé le temps que je l'enlève et que je le remette. Let's go, du coup, pour ce nouveau format, donc, j'expliquais, voilà, ça fait un petit moment que j'ai envie de parler d'actu de jeux vidéo, et j'osais pas, parce que bah, beaucoup le font tout simplement potentiellement mieux que moi, et peut-être de manière bien plus légitime, mais ça m'intéresse, donc j'avais envie de le faire, voilà. Du coup, aujourd'hui, je me lance, c'est un format qui est donc voué à changer, en cours de route, voué à évoluer. Et voilà, du coup, n'est-il pas hein. Alors, les titres du jour pour notre actualité du 21 juillet 2021, est-ce que c'est pas une date cool, ça, quand même, en vrai? Donc, 21 juillet 2021, qu'est-ce que se passe-t-il dans le monde du jeu vidéo? On a le Steam Deck qui est sorti. Et franchement, ça a l'air de vendre du rêve, honnêtement, apparemment, ça a l'air d'être bien badass. Bien badass. Hop, je vous passe en mode visuel. Par contre, c'est pas fifou, là, mon chat qui s'affiche juste sur le truc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de le passer en transparent, le chat. Un de ces quatre, il va vraiment falloir que je le fasse, parce que c'est vraiment pénible, en fait, comme ça. Salut Redven, comment vas-tu? Donc on est parti, ouais, le Steam Deck a été dévoilé par Valve, et apparemment ça fait un carton, c'est un truc de dingue. Pour moi, elle a pas de gueule non plus, hein, vu ce qu'ils disent dans le titre, donc je vous lis l'article, ça va aller vite. Steam Deck, Valve dévoile sa console portable, une machine inesthétique et chère, mais puissante. Enfin, en tout cas, elle a pas l'air si chère, parce que visiblement les gens sont en train de se ruer dessus déjà. Ce qui était encore de simples rumeurs il y a quelques mois est désormais officiel. Valve Software a en effet confirmé l'arrivée de sa première console portable. Qui répond au doux nom de Steam Deck? Ne nous voilons pas la face, il s'agit ni plus ni moins que d'un PC portatif. Bah, on s'en doutait en même temps, enfin, c'est ce qu'on... Et en même temps, c'est ce qu'on recherche, c'est l'attente du client. Qui sera capable de faire tourner les jeux les plus gourmands sans sourciller, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est du moins ce que prétend Valve, qui explique qu'on retrouvera une version modifiée du SteamOS de Valve avec une interface qui pointe vers notre bibliothèque Steam. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le SteamOS déjà? Parce que moi j'en ai pas spécialement entendu parler. Tu donnes à manger à mon chat? Ça, je vais pas donner ce matin. Je sais pas si ça a fait la petite animation. Valve Software va plus loin en garantissant que tous les jeux Steam tourneront sans aucun effort sur cette machine nomade grâce à un émulateur qui n'exige aucun travail de la part des développeurs. Il faut dire que côté technologie, le fabricant américain a décidé d'envoyer la sauce avec un processeur Zen 2 de chez AMD. Ouais, oui, ça déconne pas, effectivement. Une carte graphique toujours chez AMD en
RDNA2, 16Go de RAM et un écran IPS de 7 pouces avec une résolution de 1280 par 800 pixels. Niveau autonomie, on parle d'une batterie de 40 Wh capable de tourner entre 2 heures et 8 heures selon l'usage et le jeu. C'est peut-être un peu lèche quand même, hein. Enfin, moi ça me ferait chier parce que typiquement ça veut dire que tu vas prendre ta console, systématiquement il va falloir la recharger. Donc c'est pas fou. Qu'est-ce qu'il y a en 720, cher ami ? Ah oui, effectivement. Effectivement. Donc oui, effectivement, pour le rendu et la batterie, je suis un peu sceptique, moi, perso, sur le truc. J'ai un petit peu sceptique, et peut-être que c'est aussi ça qu'ils voulaient dire par une esthétique. Enfin, après, ils disent qu'elle est puissante, ben, tu vois, enfin, puissante, oui, mais la batterie, elle suit pas derrière, donc... Et ouais, pas fou, effectivement. Effectivement, aujourd'hui, on a des téléphones qui font du 1080, hein, ce me semble, d'ailleurs. Donc ils avaient peut-être moyen, niveau affichage, de produire quelque chose d'un peu plus lourd. Ouais, j'ai un petit doute. Côté look, si la manette a ses croix directionnelles et ses boutons de part et d'autre de la console, ce qui va dépendre du coup de la taille de la console niveau praticabilité. Le concept te hype, Negus Blaine ? Bah, ça se peut, ouais, qu'il fasse une V2 derrière, hein, c'est possible. Effectivement, c'est peut-être un test. Hein. Elle ressemble beaucoup à la Switch. Le design étant moins harmonieux, et puis, bah, il n'y a pas le côté aussi... Enfin, moi, j'ai l'impression de voir une PSP, en fait, hein, mais je dis ça, je dis rien. Surtout le côté noir basique, d'ailleurs, qu'ils sont en train de souligner là dans l'article. Le choix du noir basique ne permet d'ailleurs pas de mettre en avant le look de la machine. Tandis que l'emplacement de la croix directionnelle semble placé trop haut. Ouais, donc typiquement, moi, avec des petites mains, c'est le genre de console où je galère direct, quoi. Et en plus, effectivement, les premières sont potentiellement pas très stables. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. Apparemment, c'est volontaire de la part de Valve. Ils disent qu'ils ont besoin de place pour intégrer un pavé tactile avec des retours haptiques. Vous en pensez quoi des pavés tactiles sur les manettes de console ? J'avais ça sur ma PS4. Et... Enfin... Ok, tiers, mais sans plus, quoi. Honnêtement, il y a assez peu de jeux en plus qui les utilisent réellement et de manière qui apporte vraiment un truc, quoi. Enfin... Ouais, voilà, on est d'accord. Le truc tactile, c'est vraiment pas fou, quoi. T'as déjà suffisamment à t'occuper, en fait, sur la manette pour avoir à te préoccuper en plus de déplacer ta main pour aller sur le truc tactile, en fait. C'est limite, ça te fait chier quand t'as des jeux qui l'intègrent. Par exemple, moi, je me souviens, c'était sur Detroit Become Human. Ben, ça me fait chier, en fait. Moi, ça me faisait chier parce que, enfin, t'es bien, t'es calé, là, sur tes bords de manette avec tes touches avant-arrière, enfin, à l'arrière et tes pavés, enfin, et tes joysticks. Qu'on n'appelle plus du tout comme ça, mais on s'en fout. Et du coup, là, tu dois te déplacer pour pouvoir utiliser le truc tactile au centre. C'est de la merde. Anywho, donc, Valve, apparemment, ils ont vraiment envie d'en mettre un. Et des touches additionnelles au dos de l'appareil. Déjà, il nous faudrait 15 doigts, en fait, dans leur truc. Ok, pourquoi pas. Le Steam Deck dispose également de fonctionnalités gyroscopiques. Ça peut être intéressant à exploiter, par contre. Tandis que les sticks sont quant à eux capacitifs. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de détecter si le pouce est posé dessus ou non. Ah, à voir ce que ça apporte, ça pourrait être intéressant. Si Valve est éloigné de la Nintendo Switch dans son rendu physique, le fabricant a tout bonnement repris l'idée d'un deck sur lequel on peut brancher la console portable et ainsi profiter d'un confort visuel sur son téléviseur. Ok. À noter en revanche que cette station d'accueil sera vendue... Bah oui, a business is business, évidemment. Et donc les prix, effectivement. Ok. Je me souviens pas tout à fait de la Switch à ses débuts. C'était dans ces prix-là ou pas? J'ai l'impression que la Switch a commencé moins cher quand même. Donc ouais. Je sais pas. Et puis alors moi, honnêtement, je fais partie de la team PC. Et quand on essaie de me vendre des espaces de stockage comme ça, qu'il faut racheter une console pour avoir un espace de stockage plus puissant,
J'ai juste envie de les frapper, en fait. Enfin, je dis rien. C'est un moment, c'est vrai qu'on pouvait pas du tout imaginer un slot carte mémoire où on peut rajouter de la mémoire soi-même. Bah non, bien sûr, évidemment. Hein, c'est pas du tout pour arnaquer les gens. Donc bon, bref, tout ça pour dire qui sera compatible Bluetooth et Wi-Fi, disposera de haut-parleurs stéréo, on espère bien quand même, enfin on est en 2021, d'un port casque sans oublier deux micros intégrés pour discuter avec ses contacts. Ah, l'image des... Alors, les micros intégrés, c'est pareil, enfin... Qui utilise les micros de sa console directement, quoi. À l'image des nouvelles consoles de salon, le Steam Deck sera capable de mettre en veille un jeu pour reprendre instantanément par la suite. Tout sympa. Enfin, pour terminer, sachez que la machine sera proposée en trois modèles, comme on l'a vu ci-dessus, et que, du coup, c'est pour nous estorquer notre tunasse. Donc... On bénéficie d'un port pour les cartes micro SD qui n'a pas été oublié, ce qui permettra d'augmenter la capacité de stockage et de ne pas rester bêtement bloqué. Ah, voilà. Voilà. Valve a d'ores et déjà annoncé que les premiers exemplaires de Steam Deck seront expédiés début en décembre. Hey, well played, well played. Sachant que les réservations ouvriront le 16 juillet à 19h et qu'ils ont apparemment déjà... on va voir ça d'ailleurs, parce que je l'ai l'article ici qui dit que voilà, que c'est n'importe quoi en fait. C'est parti totalement en vrille, le bazar. D'ailleurs, je voulais afficher mes trucs sur mon autre onglet, moi, qui se trouve ici où j'ai mis les sorties. Donc, je vais peut-être. Hop, Philippe. Wouf. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Ouais, allez. On retourne ici. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, effectivement, apparemment, il se vend à prix d'or déjà sur eBay. Donc, en gros, les scalpers se sont encore lâchés. Scalpers, c'est quoi? C'est des gens qui font des commandes massives et qui font de la revente derrière et qui nous cassent bien les couillasses depuis qu'ils ont commencé parce que c'est un vrai bordel au niveau des cartes graphiques, des PS5 et tutti quanti. Résultat des courses, la semaine dernière, Valve a dévoyé son nouveau Steam Deck, comme on l'a pu le lire tout à l'heure. J'aime bien la description, un curieux hybride PC Linux console portable. Déjà, immédiatement tapé dans l'œil d'une partie du public, beaucoup se sont empressés d'aller poser une réservation le plus vite possible, puisque Valve n'exigeait qu'un acompte de 4€. Ah, j'avoue, ils sont pas cons les mecs, ils sont vraiment cons, c'est pas mal. C'est bien joué. Comme ça, t'as le temps d'économiser jusqu'à décembre pour t'acheter ta petite console. Eh, en vrai, même pour les pauvres comme moi, ça peut être un truc intéressant. Hein. Eh, non, ils sont en train de me séduire, là. Non, je vais pas me faire avoir, Résultat, au bout de quelques minutes, les serveurs pris d'assaut sont tombés en panne. Les troupes de Gabe Newell ont donc pris la décision de repousser la livraison à 2022. Ah, merde, du coup, pour Noël, c'est mort, les gars. Et indique désormais ne pas être en mesure de garantir la disponibilité du produit. Ah, chaud! Le fléau des scalpers, bah oui. Sauf qu'entre-temps, une autre catégorie d'acheteurs, honnie de tous, a pointé le bout de son nez, les scalpers. Ce terme désigne des internautes qui se livrent à une forme de manipulation du marché lorsqu'un produit très attendu est présenté. Ils s'empressent de rafler l'intégralité des stocks disponibles avec l'objectif de les revendre prix fort par la suite en profitant de la pénurie ainsi générée, bande de bâtards. Dans le contexte actuel où une vaste partie de la filière hardware souffre encore de difficultés d'approvisionnement, le problème est encore plus perceptible. Ce n'est évidemment pas le seul, mais c'est l'un des éléments qui participe à la pénurie de cartes graphiques et de consoles de jeux, par exemple, comme je vous l'ai dit précédemment. Les pratiques discutables, voire illégales, tous ces facteurs mis bout à bout peuvent générer des situations ubuesques auxquelles le nouvel appareil de Valve n'a pas échappé. Sur eBay, à l'heure où ces lignes sont écrites, 3 Steam Decks sont proposés entre 700 et 1000 balles. C'est fatigant, ça me met le seum, juste. Côte à côte, me repérer des exemplaires à 2500$, pourquoi pas. Beaucoup de decks proposés sur la plateforme portent la mention pré-vente accompagnée d'une capture d'écran de la réservation confirmée sur Steam. A noter que si elles sont éthiquement très discutables, bah y a pas qu'éthiquement, hein. Y a rien qui va en fait, hein, mais bon. Ces reventes sont même parfaitement illégales dans ce contexte précis, elles violent la politique de pré-vente de la plateforme d'e-commerce
et devrait donc être supprimé d'eBay, mais cela ne résoudra pas le problème de fond, déjà parce que probablement il y a aussi des gens qui se sont déjà fait avoir. Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous déconseiller très fortement de céder à la tentation d'acheter un scalper, et par conséquent, non mais qui a envie déjà à ce prix-là, enfin, mais sérieux. Et par conséquent, de cautionner ses pratiques. Ah, t'as demandé à tes amis de te l'offrir ? Oui, c'est beau hein, l'espoir quand même. J'aime ta détermination. J'avoue, c'est un bon truc. D'ailleurs, je vais peut-être mettre une petite barre de don là pour m'acheter aussi un Steam Deck. Les gars, vous voulez pas participer ? Dans tous les cas, voilà, c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'une précommande, ce qui laisse d'autant plus de marge de manœuvre à un arnaqueur potentiel. Mais oui, mais aussi, si vous n'êtes pas très riche, ça vous laisse aussi beaucoup plus de marge pour mettre des sous de côté jusqu'au moment de la sortie, tout en réservant la prévente à 4 balles. Pourquoi aller acheter un scalper ? Ne vous faites pas avoir, surtout pas, laissez-vous pas prendre. Putain. Prenez votre mal en patience et réalisez une précommande en bonne et due forme. Exactement. Tout à fait. Et Bréfouille, vous en pensez quoi de cette affaire de Steam Deck là ? Ça peut l'air mal hein, dans le fond l'idée. Hein. Je pense que ça peut être un produit intéressant. Surtout pour pouvoir se posasse un peu dans son canapé pour pouvoir jouer sur Steam. Ce que je peux déjà faire en ayant branché tout simplement mon PC et ma télé avec une manette hein, en fait en vrai. Mais pour les gens qui ont la flemme de faire des petits setups un peu... Non, j'allais dire compliqué, mais enfin, il s'agit juste de brancher un câble HDMI. bon. Bref, pour ceux qui aiment les consoles, hein, tout simplement. Aka, hashtag peut-être pigeons. Peut-être que c'est intéressant. Genre, en fait, plus ça va, plus je suis en train de me dire. C'est un peu con. Voilà, si tu n'as pas de PC, c'est intéressant. Exactement. Mais après, le problème, c'est qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui vont avoir un Steam Deck juste pour avoir un Steam Deck, quoi. Et là, c'est un peu triste pour le coup. Parce que typiquement... D'ailleurs, truc important que je tiens à souligner, c'est pas parce qu'on aime les jeux vidéo qu'on doit être irresponsable. Et donc, acheter massivement et sans arrêt des produits qui nous sont assénés hein, de manière totalement commerciale et marketing, hein, nous sommes d'accord. C'est pas bien, parce que le truc, c'est que du coup, eh ben, c'est pas super bon pour l'environnement, et en plus, c'est pas super bon non plus pour les gens qui travaillent dans les mines de terres rares, notamment. Donc évitons de gaspiller les métaux, comme le cuivre, l'or, les terres rares, et essayons au maximum à la fois de recycler nos matériels quand on ne peut plus les utiliser, mais aussi de les utiliser le plus longtemps possible. Et le problème des consoles, c'est aussi ça. C'est que la console... Mais elle n'est pas durable du tout, puisqu'à chaque fois, on vous sort une nouvelle génération qui vous fait de l'œil et vous êtes pas obligé de l'acheter. Mais quand même, ça fait chier pas l'avoir, alors que si vous avez un PC, bah, vous upgradez et puis point à la ligne et vous pouvez même conserver vos matériels et faire des doublons. Typiquement, moi, aujourd'hui, si j'achète une seconde carte graphique, j'enlèverai pas nécessairement la première parce que du coup, avoir deux cartes graphiques, ça peut avoir son intérêt. Voilà, c'était le petit disclaimer, juste pour vous dire, réfléchissez avant d'acheter. Voilà, juste ça. Juste ça, ça peut être cool. Second titre du nouveau sur Netflix Gaming. On en sait un peu plus sur la branche gaming de Netflix. Que se passe-t-il ? Ah, raté. Attendez, chut. Je reviens. Hop là. Je vous ai spoilé ? Que se passe-t-il ici ? D'ailleurs, mes liens, ils marchent pas ? Non, ils marchent pas. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez. Je vais corriger ça dans la seconde qui suit. Voilà. Pourquoi il m'a changé mes liens, mais... Il se couche de ma gueule, en fait. Ok. Pas grave. Bien. Donc, Netflix recrute un ancien cadre EA pour diriger sa branche gaming. Donc, ils sont allés faire un peu du headhunting, comme on dit. Les plans de Netflix concernant ses efforts vidéoludiques ont l'air de se dérouler comme prévu, puisque l'entreprise vient de confirmer un recrutement des plus importants. Il y a à peine quelques mois, de nombreuses rumeurs circulaient à propos de l'investissement de Netflix dans le monde du jeu vidéo, qui se confirme du coup
par ailleurs. Suite à cela, l'entreprise avait confirmé vouloir étendre son influence sur le domaine de divertissement interactif. Quoi que cela puisse vouloir dire, en effet, parce que... Je sais pas, ils vont faire des serious games. Non, je rigole. Non, mais oui, ça veut dire qu'ils ont envie de faire des contenus qui soient interactifs. Mais ils avaient déjà commencé avec des séries interactives, d'ailleurs, aussi. Aujourd'hui, les projets de Netflix se précisent, puisqu'il semblerait qu'elles aient recruté Mike Verdu, un ancien cadre de chez EA et Facebook Oculus. En effet, Mike Verdu, qui a de l'expérience avec des entreprises de jeux mobiles telles que Zynga, a dirigé pendant près d'un an la branche mobile d'Electronic Arts. Je vais paraître un peu vieille réac, mais moi, les branches mobiles, ça me dit jamais rien qui vaille. Bref, mais j'ai un très mauvais souvenir avec Square Enix, c'est pour ça. Anyway, si vous voulez que j'en parle, demandez-moi, mais ça reste une blessure profonde au fond de moi, donc je vais pas nécessairement parler tout de suite. Donc, en effet, du coup, il a des expériences chez Electronic Arts, et suite à cela, il a également travaillé pour Oculus. Ouais, donc ça va, il a quand même amélioré un peu son CV. L'entreprise de jeux et de matériel VR détenue par Facebook. À quoi peut-on s'attendre de la part de Netflix ? L'expérience de Mike Verdu n'est pas anodine et pourrait... Bah non, du coup... Enfin, ça aurait été un peu dommage quand même, dans ces grosses boîtes-là, d'aller chercher un random, quoi. Et pour nous en apprendre plus sur les projets de Netflix, il a été employé en tant que vice-président du développement de la branche gaming. Donc, c'est vraiment une branche gaming, on est d'accord. C'est pas juste machin interactif, on sait pas trop quoi, dans le doute, quoi. Et son expérience pro a laissé penser qu'il s'agira sûrement de jeux mobiles. Et là, c'est le fail. Échec du joueur français. Oui, bah oui, on a pris ton voisin, Michel Dupré. Bah, évidemment, logique. Logique. Bah ouais, un Netflix VR, ça pourrait être cool. Mais là, les mecs, je mobile, les gars. Netflix, je mobile. Pourquoi ? Quel est le fuck ? Putain, il me fatigue avec les jeux mobiles, là. Tous les bons devs sont en train de partir sur les jeux mobiles. On va plus avoir un seul jeu PC, les gars. Il va falloir faire une révolution en faisant quelque chose. Et bonjour, tubercule. Merci d'être venu. Bienvenue à toi sur pour tester mon nouveau format. Netflix mobile, mais oui, non, mais... Jeux mobiles sur Netflix. À quel moment, en fait ? Je comprends pas le concept. Selon Bloomberg, qui relaye toutes les rumeurs à propos de l'affaire Netflix, Bloomberg, qu'il va falloir qu'on surveille de près, du coup, voudrait faire l'expérience d'un nouveau genre de jeu, de type docu interactif, par exemple. Ouais, why not ? C'est pas mal, ça serait un walking simulator, mais en mode documentaire. Pourquoi pas ? Ouais, ça se tente, en vrai. Donc ils veulent faire ça d'ici l'année prochaine. Ce serait disponible directement sur la plateforme principale de Netflix, sans surcoût pour les abonnés. Toutefois, si cette expérience vidéoludique d'un nouveau genre vient à plaire et à se développer davantage, on pourrait s'attendre à ce que Netflix décide de lui dédier sa propre plateforme et de lui créer son propre service par abonnement. À ce stade, avec un peu de majuscule qui manque, rien n'est sûr concernant le projet. Prenez donc ces informations avec des pincettes, comme pour toutes les rumeurs. Évidemment pas. Genre, quelle bande de gossip girls, finalement, dans le monde du jeu vidéo. Ouais, docu interactif, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais j'avoue, ça m'a filé des frissons dans le dos, hein, l'histoire de mobile, là. Super ! Mais docu interactif, ouais, ouais. Why not ? Donc ouais, quand même, tiens, il y a des petites propales assez intéressantes, là, sur côté Netflix, hein. S'ils peuvent, ouais, nous élargir le monde du jeu vidéo, je dis oui. On va demander aux gens de s'abonner avec Netflix Prime. Bah, y a une légère, peut-être, friction avec Twitch, Amazon. Ouais, je suis pas sûr, hein, pas pour tout de suite, hein, je pense. Alors, du coup, donc ça confirme, hein, chez jeuxvideo.com. Des jeux vidéo gratuits seront inclus dans le catalogue, du coup. Donc apparemment, c'était qu'une rumeur il y a quelques mois, mais ça y est, du coup, Netflix se lance dans le jeu vidéo. Ah oui, ils ont carrément adressé une lettre à leurs investisseurs pour parler de la plateforme. Donc ouais, on est vraiment plus du tout genre sur des rumeurs. Là, on est sur un truc un peu dans le concret. On le sait, Netflix entretient une relation étroite avec le jeu vidéo, et il existe plusieurs témoins de cet amour. Oh, c'est beau. C'est tellement romantique.
Tout d'abord, Netflix est une plateforme connue pour les différents contenus vidéo qu'il propose, films, animés, séries, documentaires. De son côté, il en réalise aussi, dont certains adaptés à de grandes licences de jeux vidéo cartoon. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai pas vu moi. Comment je suis à côté de la plaque? Mais parce que j'ai pas Netflix, les gars, je me dénonce, j'ai pas Netflix. Vous pensez à la série The Witcher? Ah oui, non, c'est dans ce sens-là qu'ils voulaient dire. Moi, je pensais qu'ils avaient fait juste des docus sur le jeu, mais en fait, non, des... Oui, d'accord, oui, la série The Witcher, effectivement, si j'en avais pas entendu parler, je vivrais quand même dans un autre monde. Saison 2 prévue le 17 décembre, pour ceux qui ne le savaient pas, donc soyez au taquet. Et la série d'animation Castlevania, 4 saisons, finie en 2021. Tout cela sans compter les projets dans les tuyaux comme Tomb Raider. Intéressant. Sachant que, d'ailleurs, on a eu cette discu sur le Discord de The Crew. Mais The Crew qui... Attendez, je vous mets le petit... la petite explanation. The Crew qui est les poteaux, quoi. Et du coup, ouais, Tomb Raider, surcoté en jeu vidéo, est beaucoup mieux quand même en film et potentiellement en série. Enfin, c'est mon propre avis, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, ouais, pour moi, les jeux sont surcotés quand même. Même si le personnage est extrêmement charismatique dans les premiers jeux, et dans les derniers, on a juste envie, en tant que femme et féministe, d'aller leur péter la gueule. Disclaimer. Bref, fin de la parenthèse. Tout cela sans compter les projets dans les tuyaux, donc comme Tomb Raider. Aucune preuve de cette passion. Autre preuve de cette passion, les essais Netflix autour du jeu vidéo comme l'épisode interactif Bandersnatch. Oui, il a fait beaucoup parler de lui. Mais aussi le jeu mobile Stranger Things, qui est une adaptation de la série éponyme, que je n'en ai pas entendu parler, dommage, parce qu'il a l'air pas mal. Des rumeurs avant la confirmation, alors rien ne présage que l'entrée de Netflix sur le marché du jeu. Ben, ça dépend, parce que quand tu cherches des investisseurs à un moment, c'est que tu comptes quand même faire un truc, quoi, enfin, je sais pas. Jusqu'à l'émergence au mois de mai de rumeurs soulevées par The Information dans un article. Sourcé ici que l'on ne va pas lire, parce qu'il est potentiellement en anglais et que ça va saouler tout le monde que je sorte mon plus bel accent. Selon les sources du média, plusieurs entretiens auraient déjà eu lieu avec les têtes de l'industrie pour un poste du directeur département gaming de Netflix. Des bruits de couloir qui prennent de l'épaisseur il y a à peine une semaine. C'est Bloomberg, encore eux. Bloomberg, c'est les balances du milieu, en fait. Qui affirme que les jeux vidéo feraient partie du catalogue de la plateforme dans une nouvelle catégorie comme les documentaires. Dans la foulée de cette annonce, il est entendu que Mike Verdu devient vice-président de la section Game Development, dont l'intitulé renseigne peu sur les réels projets de Netflix. Ben, game development quand même. Enfin, quand même. À moins que ta phrase était ironique, voilà quoi. Verdu est un vétéran du secteur vidéoludique, il est passé par Electronic Arts et était en charge de la collaboration des développeurs pour Oculus, ce que nous venons de voir. Un projet à ses débuts, fini les rumeurs et les ondits, dans une lettre adressée à ses investisseurs, Netflix confirme noir sur blanc que le jeu vidéo fera partie de son catalogue, en éclairant certaines zones d'ombre. Nous en sommes aussi au premier stade de notre croissance autour du jeu, s'appuyant sur les efforts réalisés avec l'interactivité et nos jeux de Stranger Things. Nous considérons le gaming comme une nouvelle catégorie de contenu intégré, comme cela a pu être le cas avec les films originaux ou l'animation. Les jeux seront inclus dans l'abonnement Netflix Films et Séries sans surcoût. A voir après comment ça se passe aussi au niveau des gestions de licences nationales, parce qu'on sait bien qu'en France, ils aiment bien traîner la patoune. Plus loin dans la lettre, Netflix précise que la plateforme se concentrera dans un premier temps sur les jeux mobiles. Sumface. Est-ce qu'on peut faire, je sais pas moi, un moratoire contre la croissance exponentielle des jeux vidéo mobiles aux dépens des autres jeux vidéo, s'il vous plaît? Un truc pour ralentir juste, parce que... Parce que... J'en ai marre. Y'a que des jeux mobiles. Où sont les jeux pas mobiles? Bref, elle précise également qu'il est temps pour elle d'apprendre comment sa communauté valorise les jeux. Bah oui, bah il serait temps. Enfin, je sais pas, fais des sondages. S'il existe encore beaucoup de questions lévitant autour de cette décision, et notamment sur une période de sortie, c'est aujourd'hui officiel, Netflix arrive dans le jeu vidéo. Est-ce que ça vous fait plaisir, les gars, que Netflix arrive dans le jeu vidéo? Moi, je trouve que ça peut ouvrir des portes intéressantes, quand même.
Alors, tubercule, comment t'expliquer que, en fait, tous les développeurs aujourd'hui travaillaient de manière extrêmement qualitative sur des projets de jeux vidéo pas mobiles, sont en train d'être envoyés sur du mobile. Donc c'est-à-dire que les mecs sont obligés de se reformer, etc. Mais aussi que du coup, ça veut dire qu'on perd en fait tous les bons devs sur, sur les jeux PC et sur les jeux consoles. Le problème, c'est qu'à un moment, tu peux pas faire du bon contenu si t'as pas des développeurs. Donc j'ai rien contre le jeu mobile, même si moi, perso, je peux pas trop y jouer parce que j'ai des problèmes au bout d'un moment au niveau des cervicales et tout. Parce qu'on va pas se leurrer aussi, il y a un truc avec le jeu vidéo dans son ensemble, c'est qu'assez peu de gens font attention à l'ergonomie et à leur position quand ils jouent. Mais c'est encore plus vrai des gens qui jouent sur mobile. C'est une cata de jouer sur mobile si on veut prendre un peu soin de son dos, de sa nuque, etc. Donc, pour peu en plus que t'aies un handicap, je te rassure même. Enfin, c'est une cata. Y a rien qui va parce que c'est petit, tu vois que dalle. Enfin, bref. Voilà. Donc, ça exclut en plus une partie des joueurs. Le jeu mobile, oui. C'est bien de l'avoir à côté, mais de prioriser sur le jeu mobile totalement. C'est une erreur stratégique des boîtes au niveau... Enfin, c'est surtout une erreur... Enfin, eux, ils pensent au pognon, je veux dire. Donc, stratégie... Enfin, si tu penses stratégie pognon, ok, cool. Si tu penses inclusivité, ça casse les bons becs, en fait. Clairement, ça va pas du tout. C'est de la merde. Donc, après, effectivement, ça ouvre aussi à d'autres publics l'accès aux jeux vidéo, puisqu'on sait, par exemple, que majoritairement, les femmes jouent sur mobile. Mais... quand même, enfin voilà, faut peser dans la balance les pour et contre, parce que aujourd'hui il y a des trucs qui sont en train de se passer dans l'industrie, qui sont pas vraiment rassurants pour les joueurs PC, quoi. Donc, maintenant la cible ce sont les Chinois. Tubercule, la cible ce sont les Chinois. Ils jouent Chinois et Jap, surtout les Jap, ils n'ont pas de PC les Japonais. Ils jouent que sur mobile. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a ces virages qui sont pris. Et le truc, c'est que malheureusement, ça met des gens sur le côté, quoi. Enfin, moi, j'ai un bon téléphone, hein, mais me poser pour jouer sur mobile, ça, c'est catastrophique, hein, pour mon dos, pour mes cervicales. Et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de gens et que c'est pas fifou pour les personnes en situation de handicap, quoi. Donc voilà, deux problèmes, les personnes en situation de handicap et le fait que tous les devs sont redirigés vers le développement mobile et ce qui fait des catas. Je voulais pas en parler, ça me blesse profondément, mais par exemple, mon jeu favori ever, qui est Deus Ex, a subi en fait les affres un peu de ça parce que tous ces devs ont été envoyés maintenant sur des branches mobiles. Donc si on veut aujourd'hui produire la suite de Deus Ex Mankind Divided, et ben c'est un peu charrette parce que ça va pas être avec les mêmes gens, quoi. Ça va pas être avec les mêmes gens et les gens étaient super compétents, quoi. Donc c'est dommage. C'est très très dommage. On passe à la suite parce qu'il est déjà 11h46 et que ça tourne et qu'on n'a pas fait tous les titres et j'ai là le contenu. Après j'ai mis 13h la fin. Pas obligé que ça finisse à 13h dans le sens où c'est la première émission donc j'ai chargé un peu la mule, mais je savais pas en fait combien de temps je voulais que ça dure. Donc on peut continuer après. Enfin moi je suis dispo en tout cas pour continuer après. Donc oui, apparemment, ouais, alors ça je sais pas de quoi qu'il s'agit-il de cette actu, j'ai vu ça passer. On va faire un tour rapide dessus, ça va pas être non plus une actu sur laquelle on va peut-être passer trop de temps. J'ai l'impression que mon lien ne va pas marcher parce que voilà, parce que lol. Bref. Pourquoi mes liens ils ont tous cassé là? On me cherchait l'embrouille ça. Ça c'est pour m'emmerdasse. Alors. Non. Hop, lien, voilà. Hop. Oui, alors, cette carte aurait pu faire des horreurs en 2002, mais elle va finalement en faire 20 ans plus tard. Ces derniers temps, les trésors vidéoludiques refont un petit peu surface, on voit ça un peu avec la crise Pokémon, n'est-ce pas? Pour se vendre à prix d'or auprès des collectionneurs, c'est notamment le cas pour deux ventes aux enchères de cartouches de jeu, une du premier jeu Zelda, oh putain les enfoirés, et une de Super Mario 64 vendues respectivement au prix de 70 000 $ et 1,5 million de dollars. Bien loin de ces prix exorbitants, une carte Nintendo e-reader de 2002 vient tout juste de faire son apparition sur le marché, prétendant être la carte la plus rare à ce jour. Oh.
De quoi qu'il s'agit-il ? Ça vous dit quelque chose à vous, ces trucs-là ? Elle date de la conférence californienne la plus connue dans le monde vidéoludique de cette année-là. En effet, lors de l'E3 2002, Nintendo avait organisé un événement centré autour des cartes e-reader. Et mais moi, mais je suis complètement passée à côté de ce truc-là. Ça me dit mais strictement rien, les cartes e-reader. Et donc apparemment, lors de l'E3 2002, ils avaient fait ça. Une flopée de paquets a été distribuée avec à l'intérieur des cartes de trois types, des communes, logique. Une centaine de cartes second prix et enfin une dizaine seulement de cartes premier prix. Ouais, je sais pas, moi je suis passée à côté du truc. Hein. C'est une carte de ce dernier type à l'effigie de Kirby qui a donc refait surface sur les marchés des objets rares. Si non seulement les cartes Kirby premier prix avaient été tirées au nombre de 10, ceux qui tombaient dessus le jour de l'E3 voyaient la leur détruite par Nintendo en échange de ce fameux premier prix qu'elle promettait. Ah, donc du coup ils la perdaient. Très peu d'exemplaires sont donc encore en circulation aujourd'hui, en admettant que celui-ci n'est pas le seul et unique restant. C'est donc une carte e-reader des plus recherchées, seul souci, l'édition mise en vente n'est plus sous-scellée et a été testée sur une Game Boy Advance pour des besoins d'authenticité. Et il va donc de soi que sa valeur a sévèrement chuté, bien qu'elle soit toujours mise en vente au prix de 6 500 $. Au moment de l'écriture de cet article, au vu du temps restant pour la vente, c'est un prix qui pourrait encore grimper. Ouais. J'ai l'impression que bientôt, tous les jetons pourris, tu sais qu'on a à Super U quand ils font des jeux concours, et ben va falloir les garder parce qu'on sait jamais, quoi. Rien ne va plus dans ce monde. Et je ne fais pas de pub pour Super U, j'en ai juste rien à carrer. Suite, Dead Cells. Ça, j'avais vraiment envie d'en parler. Dead Cells, ce jeu qui est quand même un petit trésor français, Cocorico. Cocorico, j'ai fait n'importe avec mes slides. Bon, je voulais les rendre lisibles, c'est pour ça que je les ai mis en blanc, mais visiblement la couleur est partie en même temps. Ça n'a aucun sens. Rien ne va plus. Donc, Dead Cells, le jeu d'action plateforme développé par Motion Twin, connaît un incroyable succès en Chine dans sa version mobile et payante. Bah t'as raison, hein. Franchement, garde-les tes feuilles d'idole, hein. On sait jamais, hein. Moi franchement, je serais toi, je fais gaffe. Hein. Un pied de nez à tous les analystes du marché chinois qui ne jurent que par le free-to-play. Bah voilà, oui, alors parce que pareil, avec le jeu mobile, il y a cet essor massif du free-to-play où en fait tu passes ta vie à raquer sur des pubs et des machins comme ça, là, c'est super relou, et en plus ça paye pas les devs. Lancé durant l'année 2018 sur console de salon, Switch, PC et Mac sur iOS l'année suivante, puis sur Android en 2020, Dead Cells connaît depuis un succès indéniable. Développé par Motion Twins et publié par Playdigious, ce jeu d'action combinant jeu de rôle et roguelike est particulièrement entraînant et efficace. Un modèle économique a priori pas adapté à la Chine, mais ça c'est ce qu'on dit. Playdigious a misé sur une formule finalement peu commune pour commercialiser son jeu, notamment sa version mobile. Contrairement à la majorité des titres disponibles sur les plateformes iOS et Android, Dead Cells est payant, une dizaine d'euros, et les DLC sont également payants. Ouais ! Wesh ma gueule ! Mais ce modèle à rebours du reste de l'industrie séduit, y compris en Chine, alors que beaucoup dépeignent l'empire du milieu comme le paradis du free-to-play. Ouais, mais pourquoi c'est les Chinois qui doivent leader le game ? J'ai envie de dire, à un moment donné, il faut porter un peu ses boulasses et puis y aller, quoi. Franchement... Et je dis pas ça parce que je suis à fond derrière Motion Twins, c'est faux. Bah voilà. Mais Motion Twins, c'est des vrais. C'est le sang. Donc voilà. Enfin, parce que l'Empire du Milieu, c'est le paradis du free-to-play compétitif. Bah oui, mais et alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils doivent avoir que ça? Non. Je suis désolée, il faut leur proposer des nouvelles choses eux aussi. Au contraire. Allez, on se fait la petite Rise of the Interior parce que voilà, hein, pour le plaisir. Coucou Stavrosophobie. C'est le tout de beauté. Ah là là. Oui, je me suis enfin lancée sur ma revue de presse. Ça fait un petit moment, enfin ça fait longtemps, depuis que j'ai créé ma chaîne, je me dis qu'il faut que je le fasse et je sais pas.
tuer l'innovation et on le voit dans tous les secteurs du virtuel. C'est une catastrophe. Si, c'est la première. Aujourd'hui, c'est la première. Ah, c'est tellement beau. Et ben voilà, du coup le jeu mobile a dépassé les 2 millions de copies. Et ben, alors, eux qui y croyaient pas là. Nous sommes engagés à démentir l'idée fausse voulant que les jeux payants de type console ne peuvent pas fonctionner techniquement et financièrement sur les plateformes mobiles. Voilà. Voilà. Des gens qui ont vraiment des couillasses. Sachant que je ne sexise pas ces glandes et que avoir des ovaires c'est aussi cool, mais des ovaires c'est juste des couillasses cachées, ok? Merci pour le host, Stogrotophobie. Ce succès est aussi à mettre au crédit du partenaire chinois de l'éditeur Bilibili, qui a mis les petits plats dans les grands. Mais oui, mais faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Bilibili a mis à profit sa plateforme de partage de jeux vidéo très populaire en Chine pour promouvoir Dead Cells auprès de ses utilisateurs. L'entreprise a également tout fait pour imposer le jeu dans sa boutique d'apps Android. Un travail payant qui démontre que tous les joueurs chinois ne sont pas à mettre dans le même panier. Bah non, mais on fait des généralités aussi, c'est nul. Les généralités, c'est de la marde. Les utilisateurs de Bilibili représentent les tendances et la culture de la jeune génération chinoise et les changements de la demande de divertissement, explique la société. Eh ben c'est beau. C'est beau des orties comme ça, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ah bah voilà, parfait, c'est un gros sophobie, nickel. Je lis pour toi. Eh ben, moi je dis, ça c'est des bonnes nouvelles. Surtout quand ça part en plus de Motion Twins, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça montre que voilà, que la mondialisation ça va dans les deux sens, les gars. Et les filles. Et tout le monde. Sortie jeu, je bois un coup quand même. Petite pause. Vous en pensez quoi déjà des titres qu'on a sortis aujourd'hui? Je suis en train de voir que mon truc de boss du stream il marche pas du tout hein, les gens. Il va falloir que je check ma petite comment on appelle ça? Mon overlay Streamlabs, là. Parce qu'il y a des trucs à faire, en fait, j'ai l'impression, des trucs cool, vous pouvez gagner des points et tout, mais j'ai l'impression que personne n'utilise. Il faut faire un hover, comme on dit en développement web. C'est-à-dire, vous glissez votre souris sur l'écran du stream, et vous pouvez voir la petite tête de robot qui apparaît sur le côté de Streamlabs. Et vous pouvez faire des trucs à faire. Donc je vais enlever le stream boss pour l'instant, parce que personne l'utilise, mais quand les gens l'utiliseront, ben, je le remettrai. Hyper intéressant. Donc on a vu quoi? On a vu donc Netflix Gaming, on a vu le Steam Deck qui est sorti, et on a vu ben, les petites choses un peu intéressantes là du côté Dead Cells et Motion Twins. Ouais, le Steam Deck, ouais. Alors, niveau sortie, on a quoi? Alors ça, c'est sûr, vous l'avez vu. Obligé, parce que là, tous les streamers sont dessus en ce moment. Zelda Skyward Sword. Oh, tu t'es pris un time-out avec Nightbot. Bah, c'est pas gentil. Non. Ah, t'as dû mettre un mot qui... Ouais, j'ai un peu chargé la blacklist, en fait, de Nightbot. Et j'ai mis beaucoup de mots en anglais. Et donc, des fois, certains mots que t'écris en français, bah, il y a des lettres dedans qui font une suite de lettres qui sont pas valables... En anglais, mais qui sont valables en français, du coup. Et du coup, l'autre jour, par exemple, j'ai Yermat qui s'est fait ban sur un mot. Elle avait marqué petit et dedans, il y a petite, en fait. Et voilà, et c'était un peu con. Et du coup, il faut que je jette un œil à ça et que, éventuellement, en fait, je vais peut-être enlever tous les mots anglais et les remettre au fur et à mesure du besoin, en fait. Bah oui! Pourquoi pas? Effectivement. Oui, petite... Non, mais j'ai enlevé le titre, du coup. Donc, toujours buggé, mon lien, comme je le constate hier. Donc oui, Zelda Skyward Sword, que tout le monde stream en ce moment, là.
est sorti il y a très peu de temps. Je vais faire marcher mon lien dans 2 minutes. Comme ça. promis, mercredi prochain, je répare mes liens. Tu manges des cucurbitacées ? C'est bien aussi. Donc ouais, ils ont remasterisé Zelda Skyward Sword. Skyward Sword, que je sais pas d'ailleurs de quand il datait à l'origine. 35 ans. Ah non, pour les 35 ans de la franchise. Merde, Zelda est vraiment aussi vieux que moi, quoi. Pour les 35 ans de la franchise, mais ils disent pas de quand date Skyward Sword à l'origine. Mais ouais, du coup, il a été remaster là. Je sais pas, ils n'ont pas mis la date de sortie du remaster. Qu'est-ce qu'ils disent ? On en attendait plus pour l'anniversaire d'une licence iconique, mais le Legend of Zelda Skyward Sword HD est bien le titre qui fête les 35 ans de la franchise. Ah, c'est pour ça qu'il y a autant de hype. Sorti sur Nintendo Switch depuis peu, le titre nous permet de revivre l'aventure sortie initialement sur Wii à travers une version peaufinée, un peu plus belle et surtout moins lourde. On a également la possibilité de dire adieu au motion gaming, composante qui avait été souvent décriée lors de la sortie initiale. Ouais, c'est un parti pris, hein. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce remaster, on vous partage notre avis en vidéo en complément de notre test écrit, on va pas aller le regarder. Mais voilà. Là, il commente le 21, mais j'ai l'impression qu'il est sorti un petit peu plus avant, puisque il datait de 2011, d'accord. Parce que, on le voit... Ouais, tous les mercredis, la revue de presse. Parce que, ouais, on le voit partout. Donc, honnêtement, si vous voulez le voir, allez sur Twitch. Il est chez tout le monde. En ce moment, tous les gros streamers, ils sont dessus. Donc, allez faire un tour sur Zelda Skyward Sword. Encore plus si vous avez vu l'original. Mais après, j'aime bien le côté nostalgie du motion... Ouais, je sais pas... Bref. Enfin, moi, il m'a pas vraiment hypé. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai plus eu l'impression que c'était un Zelda lambda, quoi. Enfin, ils ont refait un Breath of the Wild, quoi. Enfin, donc faites-vous votre avis. Allez voir chez les streamers ou achetez-le si ça vous plaît. Et voilà. Donc, il est sorti sur Switch probablement en téléchargement. Donc, n'hésitez pas à jeter un yeux à Zelda Skyward Sword, qui est sorti là il y a quelques jours. Suivant, Pokémon Unite, lui est sorti hier, ce me semble. C'est un Pokémon qui rajoute encore. Il y a beaucoup de sorties Pokémon en ce moment. J'ai l'impression que Switch là ils sont tipards cette année là, ils se lâchent de ouf. Ils se sont dit le confinement c'était pour nous, il faut qu'on capitalise les gars. Donc je répare mon lien, qui est pété. Ouais, tous les mercredis matin à 11h. Donc, Pokémon Unite est officiellement disponible sur Nintendo Switch aujourd'hui à 10h02. On attendait depuis longtemps, je sais pas, moi je l'attendais pas spécialement parce que ça spam les Pokémon en ce moment, enfin, je dis ça, je dis rien. J'ai pas de Switch, d'ailleurs, j'aimerais bien par contre, mais je n'en ai point. Mais maintenant, ça vaut plus le coup que j'en achète, vu qu'ils vont en sortir une nouvelle. Donc, Pokémon Unite s'est enfin décidé à refaire surface il y a quelques semaines. On a d'abord confirmé son arrivée cet été sur la console Nintendo, et à la rentrée sur Mobiles. Ah, j'ai pas besoin d'acheter une Switch. Puis, on nous a donné rendez-vous ce 21 juillet. C'est désormais officiel, le jeu est maintenant disponible depuis 9h du matin sur Switch. À vos Switch. Un MOBA Pokémon gratos. Nous sommes... Hop, il est gratos. Après, je suis pas très MOBA. Nous sommes mercredi 21 juillet, et en plus de l'arrivée d'Inazuma sur Genshin Impact, donc on va parler dans la section mise à jour de ce live. Une journée sous le signe des free-to-play. Bah oui, c'est ça, globalement. Donc, s'il était déjà disponible à pré-télécharger l'application hier, vous pouvez maintenant lancer le titre après l'avoir installé via l'eShop et commencer l'aventure. Je ferai bien des lives pour présenter ce type de jeu, mais l'install pour pouvoir jouer, pouvoir streamer mobile, ça me saoule un peu. D'autant que, en fait, ouais, j'aimerais bien streamer mobile sur mon setup PC pour pas me casser le dos, et pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution.
Ouais, Pokémon éventuellement, ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de penser, tu vois. Je me dis, Pokémon, pourquoi pas? Pokémon à tester. Enfin, je fais partie des gens qui ont quand même testé le jeu sur Magikarp, hein, donc... Réfouille, je me dénonce. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Pokémon Unite est un MOBA, un genre dominé par League of Legends et Dota, qui se voit... Enfin bon, c'est un peu vieux comme référence quand même. Cela se joue en arène et vous devrez affronter d'autres joueurs pour tenter de remporter la victoire. Après c'est pareil, moi j'ai toujours peur parce que moi je suis une éternelle débutante, de me retrouver et de me faire casser la goulasse. Plusieurs Pokémon seront disponibles en lancement et d'autres seront rajoutés régulièrement. A noter qu'actuellement le jeu n'est pas disponible en français et que cela arrivera par la suite. Tout comme la progression croisée avec les versions mobiles qui arriveront en même temps que ces dernières. Si jamais vous êtes curieux, curieuse, on vous propose déjà moult guides sur Pokémon Unite, vous bien. Vous trouverez la liste complète des personnages jouables, toutes les arènes accessibles ou encore à quoi servent les objets de combat ou ceux à tenir. Pensez aussi à récupérer Zeraora dès que possible. Bah, vie, vous voulez qu'on jette un dieu? Est-ce qu'il nous propose dans les geeks? Allons jeter un dieu. Guide complet Actu Gaming. Ouais. C'est sympathique ça. Guide fac, qu'est-ce que Pokémon Unite? Comment se déroulent les parties? Comment se déroulent les parties? Tiens, allons voir. La durée des matchs ainsi que le nombre de participants dépendent de l'arène. Et à chaque début d'affrontement, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Voilà. Sinon, je vais perdre mes trucs. Ok. Donc je disais, la durée des matchs ainsi que le nombre de participants dépendent de l'arène et à chaque début d'affrontement, les Pokémon sélectionnés repassent au niveau 1. League of Legends-like, quoi. Ils devront apprendre leur capacité à évoluer, si c'est possible pour eux, en gagnant des points d'expérience au cours de la rencontre. Donc là, clairement, c'est vachement plus intéressant de prendre un Pokémon qui évolue. Si tu prends un Pokémon qui reste bloqué au niveau... qui n'a pas d'évolution, t'es banane, en fait. Ou alors, faut vraiment qu'il soit méga fort. Il y a tout de même quelques objets d'équipement pour marquer une certaine progression entre les matchs. Ouais, tu peux quand même doper ton Pokémon même s'il évolue pas avec des trucs. Okay. Pour gagner la partie, il faut vaincre les Pokémon sauvages de la carte. Oh! Ou encore contrôlés par les joueurs de l'autre équipe. Ah oui, donc tu peux jouer aussi en PvE. Ah, c'est pas mal. Cela rapporte de l'énergie. PvE, pour ceux qui ne savent pas, on est quand même sur une chaîne pour les débutants. PvE, Player versus Environment. C'est-à-dire que tu joues contre l'environnement et pas contre des joueurs. Pour gagner la partie, il faut vaincre les Pokémon sauvages, donc, et sinon, donc ça rapporte de l'énergie qu'il faut ensuite amener dans un des buts situés dans la partie du terrain ennemi pour la convertir en points et les rajouter au score actuel de son équipe. Hey, en vrai, on pourrait se faire un test, hein. On pourrait fonder une équipe tous ensemble. Hein. Tous ensemble. Ça pourrait être vraiment pas mal. Un test à plusieurs, là. Quand est-ce que Pokémon Unite sera disponible? Pokémon Unite a conclu plusieurs phases de bêta depuis son annonce, mais le lancement officiel a lieu en juillet 2021. Plus précisément, on a appris qu'il sera disponible le 21 juillet, mais seule la version Switch est disponible. Bah quand il sort sur Android, on se lance un truc, d'ici là j'aurai peut-être le temps de faire mon setup mobile. Mais ça pourrait être un rendez-vous à se mettre en tête. Donc il était gratuit sur Switch. Et il est crossplay Switch PC, un Switch mobile visiblement. Ça a pas l'air mal cette histoire. Ok. Quoi d'autre ma foi? Il se complète des personnages. On va regarder les persos quand même. Qu'est-ce qu'on a dans les persos? Florizarre, Dracaufeu, Pikachu, Fenard, Gros Doudou, Maconieur, Flagados, Ectoplasma, Monsieur Mime, Reflex, Absol, Carte. Charcroc, Lucario, Crabarnac, Amphinobi, Fambuzard, Zeraora, mais apparemment faut le choper au début parce que ça a l'air d'être un plus chaud à réussir à trouver. Pyrobut, Blancoton et Nigossier. Ils annoncent Gardevoir et Tortank à venir, et éventuellement Mélodelphe. Ça n'a pas l'air moins dans les gens. Quand même, ça me semble vachement bien cette affaire. De toute façon, moi déjà, ils ont mis Fenard déjà, donc c'est mort. C'est mort. Ils m'ont eu. Et reprenons notre slide. Donc c'était Pokémon Unite. Donc on a vu Zelda, Pokémon Unite en sortie.
Bon, c'était les sorties les plus marquantes du moment. Par contre, je crois qu'on a quand même d'autres trucs cool à jeter un yeux au niveau sortie. Ouais, j'en ai pas parlé, mais il y a Samurai Warrior 5 qui est sorti. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si vous les connaissez, les Samurai Warrior. Ça m'a l'air assez plaisant à jouer. En revanche, on peut jeter un yeux vite fait. Bah, 2:30, on ira peut-être pas au bout du trailer, mais on peut regarder rapidos ce que ça donne. Dracofeu. Moi je suis team grand doudou. Du moment où ils mettront doudou, je serai obligé de jouer au jeu, je pourrais pas ne pas y aller en fait. Les graphiques sont très cool, j'avais déjà vu ouais, des démos de ce jeu. Après on est sur un jeu de samouraï. On va pas se mentir, c'est assez classique. Quoi. Je voulais avoir un petit aperçu du gameplay, mais pour l'instant, on est sur vraiment le cours. Anatana yo tsuku. Sore koso. Oda Nobunaga no ayumu beki michi to kakemo. Pardon. Nashi wa shinai. E no subete. Nashi wa shinai. Sore ga ore tachi no nasu beki. Ouais, il a l'air d'être en 3D avec des graphismes comme ça tout du long, comme ça, la même dans les combats. Je sais pas comment ça marche au niveau combat par contre, est-ce que c'est du... Ça a pas l'air d'être du tour par tour, hein. Moi, je sais pas. Bref, Samurai Warriors, quoi. Samurai Warriors 5... Ça, Ace Attorney Chronicle, j'ai vu un petit... Mince, j'avais un petit trailer, il avait l'air sympathique. Ouais, c'était parmi les présentations Nintendo de l'E3. Welcome to the center of the world. Great Britain's mighty capital, London. This country is incredible. Donc là, ouais, un petit peu Layton-like. Si vous aimez bien les Ace Attorney et les professeurs Layton, je pense qu'il y a un truc à faire avec ce jeu. Led to this curious murder. Who are you? Herlock Sholmes. You must have heard of me. Herlock Sholmes. C'est mignon. En plus, il a l'air trop naze, le gars. Bref, voilà, du coup, c'était Great, The Great Attorney, Ace Attorney Chronicles. Donc, c'est une version steampunk de Ace Attorney. Après, bon, F1 2021, je passe, hein, jeu de F1 classique. Classique, rien de spécial à dire là-dessus. The Witcher Monster Slayer. Un petit jeu mobile en réalité augmentée, un Pokémon Go version The Witcher, si vous voulez chasser des monstres. Ça peut être pas mal, ça m'a l'air sympathique. J'ai envie de voir quelle gueule ça a niveau réalité augmentée, vite fait. Ouais, voilà quoi. Voilà, vous avez vu Pokémon Go, vous avez vu The Witcher, Monster Slayer. Voilà, gros, globalement, après, bon, c'est des trucs assez classiques. C'est un petit Devolver, là, Death Door. Ça a l'air d'être un Zelda-like, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, il a l'air intéressant. Attendez, je vous lis l'article. S'il n'avait été qu'un mélange de Titan's Soul et des premiers Zelda, on se serait sans doute souvenu de Death Door comme un des petits jeux qui recyclent des recettes qui marchent et passe à côté d'une occasion de marquer les esprits. Fort heureusement, ses graphismes enchanteurs, ses dialogues ciselés et son level design audacieux en font un des jeux indés à la personnalité marquée, dont on aurait aimé qu'il dure un peu plus longtemps, si l'on exclut les problèmes de perspective inhérents à la 2D... 2D isométrique, forcément, ouais. Logique. Non, on peut pas lire l'article, faut payer. Voilà, donc je vous invite à peut-être jeter un petit œil à Death Door, là, qui m'a l'air pas mal. Qui m'a l'air pas mal, on poursuit. Les mises à
jour qui sont attendues. On sait que chez The Crew, il y en a qui étaient au taquet hein, sur les mises à jour, notamment une dont on va parler, qui est celle de GTA Online. GTA Online qui a sorti sa mise à jour là, apparemment il y a du taf les gars. J'ai trouvé deux articles, parce que je sais que chez The Crew, on surveille ces choses-là. Du coup, on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Bien sûr, mon lien ne fonctionne pas. Bref. GTA Online, mise à jour de GTA Online, le link. Par contre, d'ailleurs, je vous recommande Google hein, pour fabriquer des slides, parce que voilà, c'est très simple à utiliser. Et pour le coup, tu vois, je peux sauver ma slide juste en cliquant sur lien ici. Paf. Appliquer, et bim. Je vais sauver l'autre lien aussi, tant qu'à faire. Voilà. Paf. Google, ouais, document, Google Slides en l'occurrence, là j'utilise pour mon diaporama. Donc, effectivement, il y a eu dernièrement là, d'ailleurs je crois que j'ai mis l'article, ouais, on va en parler vite fait. Il y a eu une mise à jour Red Dead Redemption il y a quelques jours, qui est améliorée, qui en fait qui a apporté des quêtes de larcin intéressantes. Globalement, je vous mettrai les articles. En vrai, j'aurais dû vous mettre au fur et à mesure les articles. En l'occurrence, là, je vous mets pour les mises à jour. Donc, si vous voulez jeter un œil à la mise à jour Red Dead Redemption, n'hésitez pas. Du coup, pour GTA Online, après, vous avez vu hein, mes sources. De toute façon, les sources, il n'y en a pas 10 000 hein, pour le jeu vidéo. Donc, je pense que vous le retrouverez si vous voulez aller dans le détail dans les articles. Ce qui ne nécessite pas réellement qu'on aille dans le détail, hein. Faut dire ce qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est un peu du speed article. Bref, donc du coup, niveau GTA Online, ils nous ont mis une mise à jour qui s'appelle Los Santos Tuners et des nouvelles nouveautés. Et effectivement, chez nous, chez The Crew, Corsti était très... non, c'est Chat qui était hyper hypé sur les nouveautés tuning. Faut dire que chez The Crew, on aime tuner nos bagnoles, on est à fond là-dedans. Donc, quelques jours seulement après Red Dead Online et sa mise à jour estivale Blood Money, on est autour de GTA Online. C'est autour de GTA Online de faire l'objet d'un update conséquent et de proposer le contenu qui nous fera tenir les grandes vacances. À savoir la mise à jour de Los Santos Tuners. Et on apprécie d'ailleurs, petite parenthèse sur. Comment il s'appelle justement, Rockstars. Qui font leur mea culpa vis-à-vis du féminisme en ce moment et de l'intégration, de l'inclusivité, qui ont du coup fait une petite mage en scred pour changer un peu les personnages que l'on voit apparaître lorsqu'on rencontre de l'adversité dans le jeu, qu'on tombe sur des gangs, par exemple les gangs coréens, etc. Il y a des femmes dans les gangs désormais, et on a vu aussi apparaître de plus en plus de screens avec des demoiselles. Quand on lance le jeu, de plus en plus maintenant on n'a pas juste un bonhomme avec une bagnole ou un truc comme ça, maintenant on a des femmes, et là on peut le voir bah, dans le screen qu'ils ont mis pour la mise à jour, c'est une dame, ou a priori une personne qui a l'air d'être une dame, et du coup ça fait plaise, des femmes dans GTA, oh my god, j'ai traumatisé d'ailleurs petite anecdote parce que quand j'ai découvert la mise à jour, moi j'avais pas suivi un peu l'actu sur GTA ces derniers temps, et en gros je me suis fait attaquer parce que je faisais une mission, fallait aller voler des trucs je sais plus où pour des matières premières, et je me suis fait attaquer donc par un gang, et j'ai pas compris, et il y a des meufs qui ont popé, et je me suis dit c'est des PNJ, c'est pas des gens qui sont là pour m'attaquer, c'est pas des ennemis quoi, et en fait si. Tellement j'ai l'habitude, bah, qu'il n'y ait pas de femmes dans les ennemis, du coup j'ai pensé que les meufs c'était pas des ennemis, je me suis fait tuer. Donc ça fait plaisir quand même, des meufs dans GTA, merde. Donc après bon, le comportement toxique des mecs sur les jeux en ligne, ça reste toujours le même, hein, surtout sur GTA, mais peut-être qu'avec des meufs comme perso, ils vont commencer à se comporter un peu mieux. On va voir. Donc du coup, derrière ce nom équivoque, on retrouve un univers bien connu des jeux Rockstar, à savoir le monde des voitures de tuning et des néons qui se reflètent sur le bitume mouillé les soirs de rodéo motorisé ou de course-poursuite dans les rues de Los Santos. Évidemment, impossible de ne pas penser à Midnight Club, le jeu de course de l'éditeur qui s'est arrêté en 2008 avec le 4e épisode. C'est donc le 20 juillet prochain qu'on pourra profiter de tout... Bah, qui est passé du coup. Qu'on pourra profiter de tout un tas de nouveautés, à commencer par tout un tas de nouveaux véhicules à 4 comme à 2 roues.
Oh, les mecs, là, vous me parlez. Si on peut custom des nouvelles motos... Ah là, ça me prend par les sentiments, là. Mais cette mise à jour va aussi permettre d'introduire une nouvelle mécanique sociale, la mise en place du LS Car Meet, qui est en réalité un lieu de rendez-vous pour que les joueurs du monde entier se regroupent et affichent leurs plus belles voitures et motos custom. C'est en réalité d'un hub situé dans un vieux entrepôt situé non loin du Cypress Flat au sud-est de Los Santos et qui vous permettra de gagner du temps et de l'argent, mais aussi de le dépenser intelligemment. Ouais, pardon, de la dépense intelligente dans GTA. On pense par exemple au test pack disponible contre 50 000 GTA dollars. Ah, parfait, parfait, Yarmat. Et qui permet de tester ses bolides sur une piste spéciale située à même le hangar. On notera. Oh, franchement, vendredi là, il y a des trucs à faire, The Crew. Hein? Hein, les mates? On se capte? Donc on notera aussi la mise en place d'un système de réputation qui permettra de débloquer des items inédits et de continuer à prospérer à Los Santos. La sortie de cette mise à jour, Los Santos Tuner, est attendue pour le 20 juillet, donc c'était avant-hier. Et quelque chose nous dit que Rockstar Games prépare 2-3 trucs ces jours-ci. Est-ce qu'on te mate le trailer? J'ai envie qu'on se mate le trailer. Allez, ça part. Peggy 18. Peggy 18. Welcome to the LS Car Meet. Don't play that dust ball. We got the fastest cars, trucks, bikes, all of it. Only thing we don't got is meat. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one on face. Oh, j'adore ces lunettes. Oh, je veux les mêmes. Il me les faut. Il me faut ces lunettes. Obligé. Obligé. Yes, ça envoyait du lourd, ça. Ça envoyait du lourd. Ok. Genshin Impact. Je joue pas du tout à Genshin, mais ça a l'air pas mal aussi ce qui sort sur Genshin là. Évidemment, mon lien est pété. Alors. Paf. Alors, ouais, apparemment, ils ont rencontré. Ouais, bienvenue à Inazuma. Donc, c'est une nouvelle zone de jeu, je pense. Presque 10 mois après son lancement, Genshin Impact passe aujourd'hui une étape importante avec la mise en place de sa mise à jour 2.0 attendu par les fans du jeu depuis de nombreuses semaines. Cette update 2.0 est d'ores et déjà disponible. Elle est sortie quand? Aucune idée. Après une maintenance, les serveurs sont enfin de retour pour accueillir tous les joueurs, tous les joueuses. Par contre, c'est pas le mercredi les mises à jour sur Genshin? Ouais, bizarre. C'est d'ailleurs pour ça que mon émission est le mercredi. Logique, c'est beaucoup de mises à jour de jeux se font le mercredi. Du coup, apparemment, l'update est déjà disponible et les gens peuvent aller à Inazuma, cette région, ouais, donc une nouvelle région, c'est ça. Cette nouvelle mise à jour est massive pour le jeu et demandera de télécharger un patch de 18 gigas. Sur PS5, du moins. Ce jeu est désormais accessible après la période de maintenance. Il est donc possible de récupérer les primogems gratuitement, qui serviront sans doute à invoquer Ayaka chez la plupart d'entre vous. Qui est Ayaka? D'accord, donc c'est un nouveau perso qui est disponible aussi. On va jeter un dieu. Donc, demain c'est un bon jour pour les joueuses de Genshin Impact, car la mise à jour 2.0 apportera la nouvelle région d'Inazuma à explorer en partie, tandis qu'on pourra enfin invoquer l'un des personnages les plus attendus depuis le lancement, à savoir Ayaka. Qui es-tu, Ayaka? Tachijutsu is your honor embodied. Your will revealed. The wielder's mind must be pure. Elle est très choupie. Tranquil. When you strike, be quick as lightning, cold as ice. Yes. Master your blade and seize victory in a single après, motion. Genshin Impact, too perfect to be c'est très, enfin c'est que des waifus quoi. Donc faut vraiment aimer les jeux où la femme est plus ou moins objectifiée quand même. To learn the another land. If I may, I would like to spar with you. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka, present. Ok. Ça, c'est le genre d'esthétique que j'aime beaucoup. Par mon passé fan de manga. Ok. Et donc, du coup, la nouvelle région est donc disponible, mais il faut remplir certaines conditions pour y accéder. Pardon.
Tiens donc, quel est ce truc? Et il faut avoir atteint le niveau 30, d'accord? Et avoir accompli une ou deux quêtes, ok, d'accord. Je vous mets les liens si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe avec ma souris? Je vous mets un lien si ça vous intéresse, si vous aimez Genshin Impact. Comme ça, vous savez comment accéder à la nouvelle région de la mise à jour. En plus de ça, cette mise à jour met en place un certain nombre de correctifs. Bon, logique ça, en même temps, si tu fais une mage et que t'en profites pas pour faire des correctifs, c'est que tu fais du mauvais travail en tant que dev. Mais aussi de nouvelles fonctionnalités comme le cross-save qui arrive enfin sur PlayStation. Ah, bien, bon truc ça. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N'hésitez pas à consulter... Je savais même pas qu'il était dispo sur PC. N'hésitez pas à consulter de nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus. Après, je suis vraiment pas... Enfin, j'aime beaucoup les RPG comme ça, mais... j'aime pas trop... ce genre de jeu où il y a que des waifus, quoi. Dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver plusieurs guides liés à Inazuma et ses collectifs directement sur le site d'Actu Gaming. Je vous invite à jeter un yeux si ça vous intéresse. Voilà, voilou, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, bah non, j'ai fait le tour pour les mises à jour. Oh, guys, je sais que ça intéresse des gens ici. Vous l'avez fait pour votre live Fall Guys au final? Stop grossophobie. Ah non, j'ai encore cassé mon truc. Alors attendez. On va parler de la petite mise à jour là. Fall Guys que je n'ai toujours pas acheté, à mon grand regret. Mais en fait je le trouve trop cher pour ce que c'est. C'est ça que je l'achète pas, mais ça a l'air d'être très drôle. Et il y a moyen de faire un live tous ensemble avec le crew, ou même d'ailleurs de jouer tous ensemble avec le crew à Fall Guys. Un de ces quatre. Mais 20 balles quoi. J'ai un peu la flemme. Ah, vous avez joué à Marbles après Fall Guys, j'avoue, Marbles. Marbles, c'est très excellent aussi. Ok. Donc la saison 5 de Fall Guys. Chou Black, Maze et toi, ok. La saison 5, ça donne quoi? Découvrez ici les nouveautés qui arrivent dans Fall Guys avec la saison 5. Fall Guys vient de dévoiler sa toute nouvelle saison lors d'un live cet après-midi. L'article date du 19 lundi. Ok. Donc, lors d'un live lundi après-midi, au programme, il y avait le jeu qui se met aux couleurs de l'été en nous emmenant directement au cœur d'une jungle luxuriante chemée d'embûches. Ah, ça a l'air mignon. Ok. Ah, avant pour rigoler. Excellent. Tu vas peut-être jouer ce soir? Ok. Découvrez toutes les nouveautés de cette saison dans la ligne qui suit. Elle sera disponible gratuitement dès le 20 juillet. Course pour la victoire. La course pour la victoire se corse. Oui, bah déjà, c'était assez chaud quand même. Mais bon. Six nouvelles épreuves attendent les plus courageux d'entre vous. Comme d'habitude, Mediatonic les a concoctées à base de courses d'obstacles, d'épreuves d'agilité ou encore de vitesse. Mais cette fois-ci... Pardon. Avec un charme exotique et quelques spécificités propres au thème de la saison. J'ai un rototo, mais il reste coincé, c'est terrible. On retrouvera notamment des grenouilles expansibles, des rhinocéros mécaniques, ainsi qu'un temple perdu au milieu d'une jungle remplie d'obstacles. C'est quoi, c'est Don't Starve ou c'est Fall Guys là en fait? Mediatonic décrit ces épreuves comme ceci. Ouais, mais j'ai pas de console du coup. Enfin si, j'ai une PS2. Je doute que je puisse jouer ça. Treetop Tumble. Empruntez des itinéraires ramifiés dans une course effrénée jusqu'à l'arrivée, remplie de périlleuses balançoires en rondins et de grenouilles expansibles. Grenouilles expansibles. À quoi ça ressemble? Il y a des photos? Non. Dommage. Des grenouilles expansibles donc. Qui sait où choix vous mèneront? D'accord, ok. Stomping Ground. Que se passe-t-il quand les haricots s'aventurent sur le territoire des rhinocéros? Bah ils se font piétiner, clairement. Eh bien, préparez-vous à le découvrir. Courez, plongez, esquivez dans une fuite trépidante de 3 rhinocéros mécaniques. Oh mon dieu. Ok. Ah oui, bah, moi c'est Minecraft, les meilleurs 20€ investis dans un jeu. Mais j'avoue, je pense que c'est un bon investissement. Il a l'air drôle, hein, mais... En fait, je l'ai découvert après la hype. Donc du coup, je suis vraiment... Enfin, c'est vraiment un moment où tu dis, est-ce que je vais mettre 20 balles dans un dead game, en fait. C'était plus ça, la démarche. Mais ouais, je pense à un moment, il y a un truc à faire. Mais après, faut jouer avec le coup, si les gens l'ont et s'ils sont motivés. Lost Temple. Notre épreuve la plus ambitieuse à ce jour, et c'est une nouvelle finale. Naviguer dans le temple perdu, dont la forme et le chemin vers la couronne sont en perpétuel changement. Ok. Lily Lepers.
bondissait au rythme de Lily Rippers. Lippers, ah, c'est ça qu'on doit voir là. C'est des trampolines. Garder la tête froide pour réaliser un atterrissage parfait et conquérir chaque étage en sautant de tambour en tambour. Ça a l'air trop bien. Bubble Trouble. Bubble Trouble est une lutte en 5 voies entre haricots rapides et rêves de bulles. Prévoyez un chemin entre les zones remplies d'obstacles pour obtenir votre glorieuse qualification. Et Penguin Pool Party. Dévaler des toboggans rapides et attraper ces satanés penguins. Plus vous vous accrochez longtemps, plus vous gagnez de points. Nous espérons que vous... Ah, il a l'air excellent, Penguin Pool Party. Nous espérons que vous avez une pointe de fer. Ça a l'air trop bien. Et des skins spéciaux en plus, événements limités, matchs en escouade, toutes les nouveautés. Comme à chaque début de saison, il y aura également des événements spéciaux à durée limitée. Ces événements vous donneront accès à des skins inédits pour votre haricot, ainsi que des motifs ou encore des émoticônes. Durant cette saison, vous pourrez également jouer en escouade avec vos amis, avec les spectacles en duo et trio. L'occasion parfaite pour établir des stratégies de groupe, essayer de survivre aux épreuves de Fall Guys tout en restant en contact avec vos amis. C'est pas mal ça, ils ont vraiment intégré le multijoueur en même temps dedans. Le studio tease également l'arrivée de crossover, tout comme le fait déjà son principal concurrent Fortnite. Ouais, enfin, Fall Guys, Fortnite, on est quand même sur un autre game, quoi. Cela ne sera d'ailleurs pas étonnant puisqu'Epic Games a racheté en mars dernier Mediatonic. Oh, d'accord. Ok. Bah, du coup, j'ai peut-être des promos sur Epic Games, mais en fait, il va falloir que j'aie un yeux. Si l'on pense à la jungle, on pourrait bientôt voir arriver des accessoires à l'effigie d'Indiana Jones ou encore du livre de la jungle, qui sait. Rien à voir. Qu'est-ce qui a rien à voir, Negus Blaine? Ah oui, Fortnite et Fall Guys, oui, on est d'accord. Pour rappel, Fall Guys est disponible sur PS4, PS5, grâce à la rétrocompatibilité et PC, alors que les versions Nintendo Switch et Xbox se font encore attendre. Fin avril, Mediatonic avait repoussé l'échéance par rapport à cette sortie qui est désormais prévue à une date inconnue. J'aimerais bien voir un petit trailer, je sais pas si c'est possible. Là, voilà. Let's go. C'est trop mignon. Ah mais c'est trop mignon. Oui, c'est très coloré dans les deux jeux, effectivement. Ouais. Les graphistes, ils aiment la couleur. Mais oui, c'est trop mignon. Mais Fall Guys, c'est trop mignon, à part que c'est super hardcore. Tu t'en prends plein la gueule, mais sinon c'est trop mignon. Excellent! Ça m'a l'air bien sympa, cette affaire. Ok, donc ça, c'était le cinématique trailer. Je sais pas si on a un... On a un Lost Temple gameplay. Si vous voulez jeter un yeux. Bhai, main ek ke andar ek spawn ho gaya, peeche hat jana hai. Ampera. Ah ouais, d'accord, Lost Temples, donc... Ah oui, c'est vraiment un temple Inca, quoi. Excellent. Excellent. Ouais, ils ont intégré les mécaniques des nénuphars, du coup, dans Lost Temples. Ok. Donc ça, c'était Lost Temples. Est-ce qu'on peut en voir d'autres? Ouais, je sais pas. Je pense que... Je vais taper Fall Guys, saison 5. Voir si on peut trouver du gameplay. Ah bah voilà, tiens. Voilà quelqu'un de bien. Bon, 11 minutes, on va passer rapidement du coup, mais... Donc ça, c'est Tree Top Tumble. Hop. Donc là... C'est la fin. Lily Leapers, ok.
Mais voir ce que ça donne. Mais ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on est clairement sur un wipeout, mais genre à 20 000 quoi. Et ça, c'est trop drôle. Ouais, c'est la vidéo, il y a un souffle, ouais. Ou alors c'est la musique chez moi? Attendez. Si je fais ça, est-ce que vous l'entendez toujours? Vous l'entendez toujours? Ah, ok. C'est ma musique qui prend du bruit. Là, comme on regarde des vidéos aussi bien que je vois. Donc là, on a vu Lily Leapers. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Hop là. Là, c'est la fin. La musique me fait trop marrer. Don't get knockout. Ok, mais c'est laquelle celle-là? Stomping Ground, celle-là. Ah mais ça dépend des gens ça, le bruit blanc, y a des gens ça les calme, y a des gens ça les prend boule. Ils sont marrants les rhinocéros. Comment fait tu te fais rouler dessus quoi. Mais attends, y a des trampolines sur les côtés pour te rattraper, c'est insane. Ah mais c'est trop bien. Pop Bubbles. Donc ça c'est Bubble Trouble. Celui-là, il m'a l'air moins compliqué que d'autres. Penguin Pool Party. Alors, j'adore ce costume de poule, magnifique. Oh oui. Il a l'air trop bien celui-là. Celui-là, je pense que de tout ce qu'ils ont présenté, c'est mon fave. Ils ont vraiment gardé une mécanique, enfin c'est vraiment un truc estival quoi, la thématique et tout est vraiment trop estival, c'est trop bien. Je l'achèterais peut-être. Non, mais j'aime réinventer le français chaque jour, cette grossophobie. Je fais partie de cette team-là aussi. Mon père invente des mots en fait. Il invente même des noms aux gens. Quand les gens ont un nom, ils le transforment en un autre nom. Enfin, c'est hallucinant quoi. C'est terrible. Du coup, je pars du principe que le français est une langue vivante. Donc on en fait ce qu'on veut, globalement. Et le Lost Temple qu'on a vu juste précédemment. On va peut-être avoir un petit peu mieux là. Oui, fais comme chez toi, t'inquiète. Mais ouais, non, le jeu, je vais peut-être l'acheter le mois prochain. Enfin, le mois prochain. Ouais, c'est ça, le début du mois.
reçoit mon allocation chômage. J'adore les porte-matelas qu'il faut péter, ça c'est trop bien. Allez, trampoline. Ouais, ok, pas de soucis, je te tiens au courant. Voilà, donc comme ça vous avez vu la petite preview de Fall Guys. Ok. C'était tout pour les mises à jour. La suite, oui, les événements, parce que si vous intéressez au jeu, je pense que vous intéressez aussi aux événements relatifs au jeu. Et donc, il y a du nouveau sur la Game Developers et Game Developers Conference et la QuakeCon. Donc, que sont ces conférences déjà ? Déjà. En vrai, ah ! M'ennuie, lui. En vrai, que sont ces confins ? Non, je vais en profiter puisque je suis là pour réparer mes liens aussi. C'est type 1. Hop. Ouais. Répare les liens tant que j'y suis. Et allons voir. Donc la game, Developers. Je suis emmêlée dans mes fils. Developers, je ne sais jamais l'écrire, je suis dyslexique des mots. Donc la Game Developers Conference, de quoi qu'il s'agit-il ? Est-ce qu'il y a une conférence ? Oui, peut-être un Wikipédia aussi, ça peut être pas mal. Quoi ? Il n'y a vraiment pas de Wikipédia là-dessus ? Sérieux ? Et bon, on va aller sur leur site officiel, c'est pas grave. Et non, Internet, pourquoi tu lags soudainement ? C'est pas gentil ? Vous laguez, vous ? Non, ça lag pas chez vous. Ok, c'est leur site qui lag. Alors, About. Qu'est-ce que ça dit ? Qui es-tu, Game Developer Conference ? Donc, la Game Developer Conference se passe maintenant. Donc, en fait, c'est un événement pro, logique avec le nom, on se doute. Et du coup, ça présente en fait les nouveautés en développement de jeux avec un Game Developer Choice Award, un Independent Game Festival, donc ce qui peut être plutôt intéressant de voir ce qu'il en sort. Donc les gens font des petites expos, ils présentent un peu ce qu'ils ont sorti. Donc les gens qui participent, il y a Amazon, Epic, Google, Intel, Nvidia, Oculus et Sony. Donc après, on s'étonne qu'ils présentent pas tout à l'E3, mais ils ont 50 conférences aussi derrière, donc forcément. Donc c'est vraiment axé business, mais ça se passe tout de suite maintenant, du 19 au 23, et cette année, ils ont pu, et c'est ça qui était dans l'article que nous allons regarder, cette année, ils peuvent la faire en physique, ils ont annoncé ça au dernier moment. Si l'édition de cette... Oui, non, ils vont pouvoir la faire l'année prochaine en physique, enfin ils ont décidé qu'ils revenaient en physique l'année prochaine au mois de mars. Si l'édition de cette année reste totalement numérique, l'édition 2022 devrait revenir à San Francisco dès le mois de mars. La situation sanitaire que l'on connaît depuis déjà plus d'un an a affecté bon nombre de conférences technologiques et vidéoludiques encore en 2021. En effet, la quasi-totalité des événements se sont tenus à distance dans des éditions en ligne gratuites et ouvertes à tous. Toutefois, un bon nombre d'orgas se voient déjà redérouler le tapis rouge dès l'année prochaine et de nouveau proposer des salons en présentiel. Tout va dépendre bien sûr du variant Delta. C'est le cas de la Game Developer Conference, un salon dédié aux professionnels du monde vidéoludique qui fait partie des rendez-vous incontournables pour la communauté des gamers. C'est-à-dire nous, en fait. Hein. Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé le retour du salon du 21 au 25 mars 2022. Ils ont la motive, ils ont mis les dates et tout, les mecs. Hein. Au Moscone Center à San Francisco. Déjà un retour en présentiel. Il s'agit d'un retour plutôt optimiste, sachant que la situation de la pandémie n'est pas encore au beau fixe si on s'en tient aux prévisions du corps scientifique international. Cependant, ce n'est pas le seul salon à miser sur la réhabilitation des événements physiques, puisque l'ESA prévoit également de faire revenir l'E3 à Los Angeles dès l'été prochain. En attendant, je rêve d'aller... Les gars, franchement, je rêve trop d'aller à une conf comme ça, genre de dev, de gros trucs giga énormes comme ça, quoi. Voir les annonces et tout. Bref, c'était mon petit partage perso. C'est en tant que développeur, en fait, ouais,
ça serait vraiment mon kiff de fou. J'adore aller aux conférences, même de dev, même je suis dev web. Enfin, j'étais. Et j'adore l'émulation qu'il y a dans ce type d'événement. Enfin, le fait de brasser tous les gens du milieu et de parler des choses qui nous intéressent les uns avec les autres et les nouveautés, l'innovation. Ça me passionne de dingue. J'adore ça. Et même si c'est pas genre les sorties de jeux ou quoi, si ça parle juste d'une nouvelle tech qui sont dit hey, « les gars, on va vous montrer, voilà, on a ce nouveau truc, on va essayer de mettre en place et tout. » Je suis à fond à chaque fois. J'adore ça. Franchement, ah, toi aussi, Team DevWeb. Mais ouais, j'aime trop ça. C'est un truc de fou. Et bien sûr, bah, du coup, je ne peux plus le faire, mais parce que bah, du coup, quand t'es plus DevWeb et que tu veux t'incruster, ça coûte quand même un bras, donc c'est compliqué. J'adore ces trucs-là. J'adore. Pour le moment, l'édition 2021 se déroule de manière totalement virtuelle du 19 au 23 juillet. Du coup, je vais garder un yeux pour vous. Je vais vous tenir au courant de ce qui s'y passe. Et bien sûr, il est temps d'y participer. Ouais, c'est pour ça que je vais jeter un yeux. N'hésitez pas à consulter les modalités d'inscription, participer à l'événement directement sur le site. Donc on ira regarder offline. Voilà pour ça. Il y a aussi la QuakeCon. On va aller regarder la QuakeCon. Donc la QuakeCon, j'ai l'impression qu'il y a un petit lien pour expliquer, c'est parfait. Nope. Et ben allons regarder sur Wikipédia. Il y a tellement de conférences, faut pas faire genre on les connaît, c'est stupide, et il faut juste aller voir qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est l'événement, mais non, c'est l'article que je viens de regarder, bande de nazes. Wikipédia, merci. La QuakeCon est un événement consacré aux jeux vidéo organisé par la société ID Software, réalisateur de Quake, depuis 1996. Franchement, c'est une des premières confs de jeux vidéo ever. Elle se déroule à Dallas, au Texas, et consiste en d'une part en une LAN party. Bah oui, au départ, c'était des LAN ouais, sur Quake, où des joueurs du monde entier peuvent s'affronter sur des jeux produits par la firme organisatrice, et d'autre part, en une conférence qui présente les jeux à venir. Ok. QuakeCon, vraiment, c'est une des plus vieilles conventions de jeux ever. Vraiment. C'est genre... en fait, de toute façon, c'est les mêmes équipes qui ont lancé les premiers... l'e-sport est né de là, en fait. Les premières LAN de la QuakeCon, c'était le début de l'e-sport, quoi. Enfin, de l'e-sport tel qu'on le connaît, c'est-à-dire en mode jeu à plusieurs, machin truc, parce qu'après, effectivement, on peut remonter aux années 70, mais c'est une autre histoire. Si on savait que l'événement se tiendrait du 19 au 21 août prochain, Bethesda n'avait pas détaillé les modalités de participation à celui-ci, ni même s'il se tiendrait en ligne ou en présentiel. Quel est le lien avec Bethesda ? Est-ce que Bethesda et ID Gaming, c'est les mêmes gens ? Je suis curieuse, là. ID Software, autant pour moi. Ouais, c'est quoi le deal avec Bethesda, là ? Hein ? Ah, d'accord, donc c'est ZeniMax, mais qui est... Alors, en fait, ouais, c'est une sorte de chapeau. C'est-à-dire que Bethesda et ID sont... Enfin, ils sont possédés par ZeniMax, qui est... qui les a rachetés les deux, quoi. Ok. Voilà. C'est important de savoir ces trucs-là aussi... Ok, donc c'est pour ça qu'on se demande si Bethesda vient ou pas, du coup. Et donc, du coup, apparemment, ils viennent de répondre, ils ont confirmé qu'ils ce sera en ligne. Et en effet, la situation sanitaire permet pas à Bethesda de pouvoir faire revenir la QuakeCon en présentiel pour le moment. Ah oui, donc c'est eux qui gèrent la QuakeCon finalement, quoi. Celle-ci va donc se dérouler de manière numérique, tout comme en 2020. Bien évidemment, l'accès sera gratuit et accessible à tous via la chaîne Twitch, entre autres, de l'événement. Concernant le programme, Bethesda n'a révélé que certains moments forts que nous... Oui, bon, en même temps, c'est le mois prochain, donc effectivement, ils vont pas cramer tout en trailer. Donc, que nous pouvons d'ores et déjà attendre, notamment des événements caritatifs, des annonces concernant des jeux déjà sortis et à venir, des tournois et des cadeaux pour les fans. Une programmation détaillée sera communiquée à l'approche de la conférence. Restez donc en alerte. Selon nous, avis de Journal du Geek, les jeux Deathloop, Starfield ou encore Redfall devraient faire une apparition durant cet événement, des jeux qu'on a pu voir en preview dans les vidéos de l'E3. Donc n'hésitez pas à jeter un yeux si vous cherchez à en savoir plus sur ces jeux-là. Il s'agit de la première édition de la QuakeCon qui a lieu depuis que Bethesda fait partie de la grande famille des Xbox Game Studios.
On ne sait pas si cela changera une partie de la programmation, mais cela risque toutefois d'impacter la sortie des titres sur console. Bah, en général, c'est indépendant. Enfin, je comprends pas là la phrase. En général, ils ralentissent pas la progression du jeu parce qu'ils présentent le jeu. Enfin, c'est étonnant. La QuakeCon sera-t-elle réservée aux joueurs Xbox ou y en aura-t-il pour tout le monde ? La réponse dans un mois. Suspense. Vous jouez sur Xbox, moi je joue sur PC, donc a priori, je suis concernée, mais. Bref, oui. En tout cas, gardez l'œil ouvert, QuakeCon le mois prochain. Voilà. En ligne, du coup. C'était tout pour les events. Les annonces, qu'est-ce qui sort bientôt ? Qu'est-ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent, là ? Alors, c'est bien, je suis dans mon timing, je suis contente. Je pensais que j'avais mis trop de choses à dire, mais ça passe crème, en vrai. Let's go. Puis comme ça, on a vraiment une overview de tout ce qu'il y a à dire cette semaine, quoi. Donc, parce que j'avais pas envie de mettre des choses de côté, parce qu'il y a aussi des choses qui sont importantes quand même dans tout ce qu'on a à dire là. Enfin, bien que là, ce que je vais vous présenter, c'est les petites annonces. On va aller assez vite dessus, je pense. On va pas prendre le temps qu'on a pris, par exemple, pour les mises à jour. Donc, les annonces. Qu'est-ce qu'on nous vend, là, en ce moment ? Alors, Ubisoft qui annonce X-Defiant, un nouveau FPS free-to-play. Si vous en aviez pas marre des FPS free-to-play, bah, il y en a des nouveaux. Donc, apparemment, ça serait une prochaine référence. Ok. Donc, c'est un Apex-like. Après l'annonce de Heartland, il y a plusieurs semaines, ça ressemble à quoi ? Ok. Un genre de... En fait, c'est tous des dérivés de Tom Clancy's The Division. C'est quoi le... Ok. Ubisoft revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu en free-to-play également inspiré de la franchise Tom Clancy. Ce titre se nomme X-Defiant et c'est un jeu de tir mettant en scène deux équipes de 6 joueurs dans une map fermée. Ah ouais, donc on a 6 joueurs, on est plus en mode Overwatch alors. Les joueurs rejoindront des factions de défiants, des personnes aux capacités spéciales qui sont toutes de près ou de loin inspirées de l'univers Tom Clancy. Les factions présentes sont les Wolves, Échelons, les Parias ainsi que les Nettoyeurs. Les maps seront elles aussi inspirées de plusieurs jeux de la saga à succès, toutefois ce titre est spécialement conçu pour convenir à tous les joueurs, même ceux qui connaissent pas forcément la franchise Tom Clancy. Ça me fait penser à la vidéo qu'ils avaient fait, les gros youtubeurs là français. Je crois dedans il y a Squeezie, il y a Cyril MP4, il y a Amixem, où ils sont en face à face comme ça. Je crois qu'elle s'appelle The Division la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, elle est super marrante. Oui, parce que ce format d'actu c'est aussi pour digresser. Squeezie. Rap Battle, c'est ça, c'est celle-là. Je vous mets le lien. Oui, tout à fait, stop grossophobie. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Donc voilà, du coup, ça donne ça. Ça a cette tronche. Hein. We're excited to share a first look at a project we're developing at Ubisoft San Francisco. This is our take on a multiplayer first-person shooter. We need to get you in early and find out what you think. Our goal is to make a best-in-class shooter for you, the players, to compete and have fun with your friends. It's fast-paced firefights meets punk rock mosh pit. D'accord. We're proud to introduce our new game. Tom Clancy's X-Defiant. Your feedback is essential to help us make this game great. Later in this video, we'll tell you how to get involved. But first, we'll get into the action. Okay. This is a free-to-play, high-octane shooter combining realistic gunplay with personalized classes. Those classes are represented in our game's factions, each bringing unique gameplay and team dynamics. Every faction comes equipped with traits, abilities,
and an Ultra to complement your playstyle and the faction's role. Used skillfully, each faction is capable of swinging the momentum of a match. Our factions are at the heart of the game. They're inspired by Maverick groups from across Tom Clancy's games and beyond. From this inspiration, we created new characters. Je sais pas si vous jouez à des Tom Clancy, moi j'ai joué à aucun, franchement. Our shooter. Je sais pas ce que ça donne du tout. And we'll continue to add to this diverse cast as the game evolves. Now, while factions help you define your role, we know to be a great shooter, the gunplay has to be our top priority. We have an ever-growing arsenal of authentic weapons and attachments. We put a lot of care into how our weapons look and feel. We've crafted every weapon attachment for precise, satisfying gunplay. C'est un truc d'Américain, ça. Players can mix and match any faction and weapon loadout. You can swap at respawn to adapt parce to a changing nous, battle. Dire, il faut nous mettre n'importe quoi dans les mains. Personalize on your faction and loadout la réalité to be what du you truc, need quoi. When you need it. And I can't stress this hard enough. We are a shooter first. Shooter first. Okay. And your abilities and ultras create unique opportunities to set up nail-biting shootouts and unforgettable clutch plays. Personalizing classes, guns, and gear in a fast-paced fight is a whole new experience in Tom Clancy Gaming. We're super stoked by what we've accomplished so far. And I couldn't be more proud of our incredible team. We want to personally thank everyone that's worked so hard during the pandemic to keep the momentum going on this game. We understand that it's been even harder for some of you. We hope that we can build a community that's a place where people can connect and have ouais, fun. Alors, par contre, we're committed to creating a welcoming ça, game based on fair play and transparency. Whether you're playing casually or pushing yourself competitively. The game's still in early development, but we're gearing up to let you in as soon as possible. So register right now to participate in our early rollout phase. Thank you so much for watching. We really want your input, so please reach out to us on social media. J'espère qu'ils vont réfléchir à ça aussi en ensemble. Alors, Ubisoft se targue d'avoir créé un jeu de croix compétitif avec des affrontements effrénés qui mettront tout le monde d'accord. Il y aura notamment le fameux mode domination, match à mort par équipe ou encore escorte. Ce jeu supportera le crossplay dès le jour de sa sortie entre toutes les plateformes sur lesquelles il sera disponible. Découvrez un aperçu de son gameplay dans la vidéo qu'on vient de voir. X-Defiant sera bientôt disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Ubisoft Connect, Amazon Luna et Stadia. Ah oui, c'est vrai que Stadia existe encore, mais qu'ils fabriquent plus le jeu. Le titre n'a toujours pas de date de sortie, mais une bêta fermée est prévue pour le 5 août pour les résidents aux États-Unis et au Canada. Par contre, je viens de bugger parce que je viens de pas voir du tout de PC là-dedans. Ok, pourquoi pas. Ubisoft prévient que d'autres bêtas sont à prévoir d'ici la sortie du jeu. Il vous suffit donc de vous inscrire pour recevoir les dernières actualités. Écoutez, Ubisoft, mettez les PC et les gens s'inscriront. Ne pensez pas qu'aux consoles, bon sang de moi. Incroyable. Impossible, ces gens. Anyway. La suite. Qu'avons-nous d'autre sous le coup de Gold Lewis Dickinson, le premier perso en DLC de Guilty Gear Strive. Au relais de son premier demi-million d'exemplaires vendus, Guilty Gear Strive décline à présent sa feuille de route. Un échéancier qui pourra compter d'ici 2022 sur l'enfort de 5 nouveaux persos jouables dans le premier Season Pass, à commencer par Gold Lewis Dickinson, qui a déjà eu droit à sa première bande-annonce. Donc là, on va vous parler du perso. En revanche, moi, je voudrais bien voir une bande-annonce du jeu. Quelle tronche ça a ? Donc on va jeter un yeux. Qu'est-ce que ça donne ? C'était quel site ça ? Ouais, c'était pas ça, donc peut-être que je peux voir là une bande-annonce. Hey, let's go ! Donc c'est un jeu qui est sorti au début du mois de juin, qui propose des persos pour se castagner globalement, et l'histoire c'est un... Non, j'allais dire il y a une histoire. C'est quoi le modalité de jeu ? C'est quoi le type de jeu ? Ok. On verra peut-être dans du gameplay dans la présentation du perso. Subject file 2534. Speech level intelligence confirmed. Okay. Preparing to capture.
It's not a big deal. What's that? You want to know what's in this coffin? Aliens? Don't be ridiculous. Oh, D'accord. Let me explain. Ouais, c'est un versus. Huh? That can't be right. Plan F. Bring it on out. Sorry, haven't taught my buddy to pull punches. 51 seconds. That's a good number. Love that number. You fixing to start a war there, Hoss? You're up. UMA! Ok, donc Guilty Gear Strive, un versus fighting, si ça vous intéresse. Donc il y a un nouveau personnage qui vient de sortir. Il est assez badass en soi, il est pas mal du tout, hein, j'ai envie de dire. On est sur un truc plutôt cool. J'ai pas remis la musique, parce que ça bugeait tout à l'heure. Je vais peut-être la remettre, voir. Ça a l'air mieux, là. Ok. Ok, voilà, donc pour Guilty Gear Strive. Ensuite, Lost Judgment, donc un nouveau jeu là qui sort, qui a pas l'air mal. Un jeu sur de la boxe, Lost Judgment, de la boxe, des gadgets et des combats de robots dans un nouveau trailer de gameplay. Donc c'est un jeu qui est calé pour la fin du mois de septembre, proposé par Sony et Microsoft. Donc PS et Xbox, et peut-être PC, on va voir. Lost Judgment fait ça beaucoup de promos en ce moment, on va aller jeter un yeux à un trailer. Là il y a un nouveau trailer, mais bon, game culte comme vous connaissez, n'est-ce pas? Ça part! Vidéo, Xbox Mag. Je veux bien le. Bon, on va le voir sur YouTube parce que tu m'ennuies là, à pas vouloir mettre en plein écran. Voilà. Yagami Tante Jimusho. Kamuro Chou no Katasumi ni Hisson. Iraisha no Kokoru ni Hisson Tante Jimusho. Attends. Merde, j'ai perdu mon lien. Zut. Raté. Oh, c'était ça mon lien. Pourquoi la bande annonce en japonais? Ouais. Je vais voir si on en a une autre. Kamuro Chou no Katasumi ni Hissori to aru. Irai sha no Kokoru ni Yorisou Tantei Jimusho. Ok. Donc c'est un jeu d'aventure et d'enquête. Attendez, je pense que je peux faire un truc. Là. Je vais faire ça. Alors, pas comme ça. Merde. Pas pratique ça par contre. Pas l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Hop. Ouais, bon, non, en fait, c'est chiant. Donc, je laisse tourner la bande-annonce pour regarder en même temps qu'on parle. Donc, c'est un jeu d'action, aventure et d'enquête, apparemment. L'histoire, ça parle d'un ancien soldat de la défense reconverti en détective privé. Et il est enquêté dans le milieu de la boxe, apparemment. Non, j'ai des conneries. Non, en fait, c'est juste la modalité de combat. C'est en fait, tu fais des filatures, tu fais des enquêtes. Il y a des jeux de rythme aussi dedans, des courses de moto, du skate et des jeux d'arcade. Donc, ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air de proposer plein de trucs différents. Pourquoi pas? Un Deus Ex un peu baston quoi. Pourquoi pas? C'est du Tekken, mais en vrai 3D, pourquoi pas. Intéressant. Ouais. Ok, donc
Asuku kobushi de katari ai. Boxing gym. Tu peux vraiment aller te battre dans des rings, OK? Dance bu. Excellent. Pas mal. Otto to ushiro nanjaku mon ga. Warai ari, namida ari, action ari. Pas mal, ouais. Ouais, il y a plein de petits mini-jeux du coup dedans. Ça sort sur quoi? Du coup, ça sort sur le 24 septembre, a priori, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS. Voilà, donc si vous avez une console et que vous aimez ce type de jeu, gardez un œil sur lui. Ça, c'était Lost Judgment. Ensuite, il y a de la VR qui sort avec le jeu Lone Echo 2. Il avait été annoncé à l'E3, c'est pour ça qu'on va pas nécessairement regarder le trailer à nouveau. Enfin, nouveau. On va pas nécessairement regarder le trailer. Je vous invite à jeter un œil si vous voulez en savoir plus. Le jeu s'appelle Lone Echo. Il se passe dans l'espace. Après, on va peut-être regarder le trailer parce qu'il est très court et qu'il est très marrant. Il est très amusant, ce trailer. Il a fait beaucoup parler de lui, d'ailleurs, à l'E3, ce me semble. Ah, c'est peut-être pas le même. Oh non, c'est pas le même. Oh, je suis déçue. Celui de 3 était drôle parce qu'en fait il expliquait que les développeurs ils pouvaient rien montrer parce qu'ils avaient encore rien réalisé à proprement parler. C'était très second degré et c'était assez drôle. Mais je sais pas, ouais, faudrait que je vous retrouve ce trailer, mais du coup je vais pas l'avoir là. Du coup c'est un jeu qui est sur Oculus. Et puis il sort le 24 août prochain. Donc un jeu où tu te balades dans l'espace et donc tu dois résoudre des énigmes. Donc je pense qu'il est pas mal. Après, il faut avoir la VR. Mais si vous aimez la VR et que vous avez la VR, voilà. Ça peut être un jeu sympa. Une immersion plutôt cool. Il a l'air d'être plutôt bien fait, comme vous avez pu le voir vite fait dans le trailer très court. Et pour finir, on a un drôle de... Oui, sinon c'est normal parce que mon lien, il a cassé. Il est pas entier, mon lien. Ah, Nya. Zut. Voilà. Reprends. Donc oui, le lien. J'ai pas été au bout en fait quand je l'ai remis bien. Et voilà. Donc, du coup, pour finir. Donc oui, il y a un jeu Hercule Poirot qui sort aussi. Je sais pas trop ce que ça peut donner, je sais pas quelle tête il a non plus. Donc voilà, en fait il y avait déjà eu un jeu qui était sorti il y a 4 ans, The ABC Murders. Et donc là ils en sortent un nouveau, Hercule Poirot The First Case. Voilà, donc ça sort le 28 septembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ça va être compatible aussi Xbox Series et PS5. Et puis ça a l'air d'être plutôt bien foutu, apparemment c'est fait par des gens qui ont déjà fait Murder Mystery Machine. Donc on est clairement sur un Professeur Layton, hein. Là-dessus, voilà, le type de graphisme, ça donne ça. Donc ça peut être sympa, en vrai, si vous aimez ce type de jeu, pourquoi pas. Voilà, Agatha Christie, Hercule Poirot, The First Case. Voilà. Bon, bien sûr, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Hein, 28 septembre, donc il y aura peut-être des trailers à sortir dans quelques temps, assez rapidement, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un yeux. Ça, c'était tout pour les annonces de sortie à venir. En vrac, sinon, qu'est-ce qui se passe dans le monde du gaming en ce moment, sinon, vite fait. Ah oui, même problème que tout à l'heure. Les Ling. Quoi? S'il veut, lui. Non, mais il marchait, lui. Comment ça, il marchait? Mais non, il marchait pas. Il m'a dit qu'il marchait pas il y a 2 minutes, là. Quelle est cette arnaque? Bizarre, cette histoire. Promis, ça sera mieux organisé mercredi prochain. Hop là. Ah là. Hop. Donc, reprenons. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Sinon, les articles que j'ai repérés qui méritaient d'être mentionnés vite fait. Christopher Judge va jouer Kratos dans... Enfin, qui joue Kratos dans God of War fera la voix de Black Panther. Cette voix est quand même ultra, 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 ultra cultissime.
on parle quand même du mec qui joue Teal'c dans Stargate SG-1. Donc voilà, et puis bah, quand il joue Kratos, enfin voilà, je sais pas si vous avez déjà entendu Kratos, sans l'image, mais juste la voix. Franchement, c'est une des voix de basse les plus cultes du monde du gaming. Voilà. Donc, ouais, c'est une légende. C'est une vraie légende, ce mec. Christopher Judge, qui est, on ne mentionne pas assez souvent, mais qui était aussi le producteur-réalisateur de Stargate SG-1. Donc ce mec, dans le monde du geek, c'est un dieu, en fait. Hein, littéralement, cette personne est un dieu du monde des geeks, ok? C'est... Voilà, il a tout fait, le mec. Il a tout fait dans le monde du geek. Enfin, à partir du moment où t'as réalisé une série comme Stargate, que tu as joué un personnage dedans, et qu'en plus, t'as fait Kratos dans God of War, à un moment donné, enfin, t'es arrivé à un level... Voilà. Hein. Et donc, rien que ça, du coup, il est dans le prochain Marvel's Avengers, réalisé donc... Enfin, édité par Square Enix. Je sais pas si vous le connaissez, ça fait partie de ces jeux, justement, qui avaient été réalisés aussi pour mobile par Square Enix. Qui a été réalisé en même temps que le dernier Tomb Raider d'ailleurs, et donc et qui est pas fou, hein. Enfin je veux pas dire, mais voilà, vous jugez par vous-même, il est pas fifou, hein, Marvel's Avengers. Mais apparemment là il y a une nouvelle du coup DLC qui sort sur Black Panther, et c'est Christopher Judge qui fait la voix. On a vu du coup à l'E3 la preview de cette DLC. Évidemment on pouvait pas avoir Chadwick Boseman qui est décédé, RIP à lui, parce que, enfin, ce personnage, voilà. C'est, enfin, pour vous raconter quand même l'histoire, Chadwick Boseman, quand il tournait Black Panther, il était déjà dans un cancer très avancé. Et donc, voilà, il a continué, il a tourné le film jusqu'au bout, malgré sa maladie. Et c'est un film quand même qui est extrêmement inspirant pour les communautés noires. Voilà, du coup c'est quelqu'un que, en tant que Black, je porte très haut dans mon estime. Et effectivement, trouver un remplaçant pour quelqu'un comme ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, et enfin... Quelle classe d'avoir Christopher Judge dans ce rôle. Moi je dis, c'est un beau truc, voilà. C'est pour ça que je voulais parler de cet article. Je vous le mets en lien, parce que je vais pas m'étendre plus dessus. Mais si ça vous intéresse, oui, il a caché sa maladie jusqu'à la fin. Bonjour, bah depuis Tahiti, purée, la classe. Génial. Génial, génial, PFR Tahiti Nuit. Trop bien, t'arrives à la fin malheureusement de ce volet d'actu, mais je t'invite à revenir mercredi prochain si tu veux voir l'actu jeu vidéo. Du coup, je mets le lien de cet article pour que vous puissiez le lire tranquillement chez vous. La suite de l'actu, c'est aussi des problèmes de serveur sur FF14. Il y a eu des grosses congestions apparemment, et c'est pas fou. Je vais pas vous mettre le lien parce que c'est un article Gamekult, et que Gamekult, ben, ils brident leurs articles. Mais du coup, enfin, faudrait que je m'abonne en vrai, mais j'ai la flemme. Faut que je m'abonne, que je me connecte. Mais voilà, du coup, globalement, il y a eu des excuses de la part des gérants coréens, parce que bah, ça partait en cacahuète au niveau des serveurs, trop de gens, et donc des difficultés, et puis des problèmes avec les difficultés d'approvisionnement en composants, donc c'était un peu le bordel, voilà. Mais ils se sont excusés, et puis ça, voilà, ça essaie de remettre les choses en place petit à petit, mais c'est le merdier. Non, mais j'ai pas vu d'article passer sur la semaine des fiertés de Fortnite. Bah attends, on va regarder ça aussi. Après, ça m'étonne pas vraiment parce que malheureusement, les magazines spécialisés jeux vidéo ciblent un public essentiellement masculin. C'est triste, mais c'est toujours comme ça. Donc c'est possible que ce soit passé au rang d'oubli. Donc on va aller regarder. Donc, non. Je pense pas que ce soit ça. Ok, alors... Ouais, bah, je trouverai pas. Comment faut-je mettre Pride? Ah, Rainbow Royale, c'est ça? Ouais, Rainbow Royale, je pense que c'est. Ah, mais crap. No thanks.
Ah ouais, yes, Fortnite has announced Rainbow Royale, its first celebration of the game LGBT plus community. Ah, bonjour, Meloris22. GG, ça veut dire qu'en fait, du coup, ils ont lancé une semaine de fierté des personnes LGBT. Ils ont du coup proposé des items pour célébrer la semaine des fiertés. Comme ça, tu peux porter tes plus beaux habits. Et ça, c'est beau. J'adore, là. Là, franchement, je plussois déjà le truc. Je vous mets ça en plein écran. Let's go, on va regarder. Et coucou, Meloris. Bienvenue à toi. Et bienvenue aussi, PF Air Tahiti Nuit. Ça a l'air de la classe, quand même, l'affaire. Libron James. Mais c'est pas le bon truc, du coup. Si, c'est le bon truc. Ok. Bah, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le trailer qu'ils ont mis. Mais là, on peut voir les items, quand même. Là, on peut les voir. Donc, il y a un gun. Il y a... Whatever this is. Et des tags. Et d'accord, ok. Oh, ça a l'air sympa, ça a l'air cool. C'est chouette, franchement, enfin, la démarche. La démarche, j'ai envie de dire bravo déjà. Parce que personne l'a fait, hein, donc... ça serait bien, peut-être que ça va du coup se multiplier à l'avenir, ces démarches comme ça, mais... Chapeau casquette. Bravo Fortnite, du coup. Sinon, les gens se plaignent sur Twitch parce que, ben, ça va pas, hein, en fait. Le catalogue devait mettre en valeur des jeux, bah, des nouveaux jeux vraiment cool, des vrais classiques en fait, des richeps de classiques, et en fait ben en fait les c'est des classiques mais au sens pas nécessairement européen ou américain du thème, et les gens sont pas super contents quoi. Du coup là ce qui est sorti, bah, c'est Jelly Boy et Bombouzal, et apparemment, ben, peut-être que c'est très... Enfin, si ça sort, j'imagine qu'aux yeux des Japonais, ça doit être des classiques. Mais clairement, apparemment, ça fait pas l'unanimité, quoi. Les gens sont un peu déçus des nouvelles sorties Switch, là, en ce moment. C'est pas fifou. Malheureusement, c'est un article... Ben, c'est un article Gamekult. Si vous êtes abonné, vous pourrez le consulter intégralement. Ben... Le problème de la commu toxique, c'est aussi un problème de... Comment dire ? D'orientation des systèmes de sanctions du jeu. Et je pense que malheureusement, s'ils n'adaptent pas le système de sanctions, c'est bien gentil effectivement de faire une semaine des fiertés. Ça va pas... Ouais, ça va pas nécessairement porter les fruits que c'est censé porter, effectivement. Et ça peut même très mal tourner, ouais, comme tu dis. Comme tu dis, effectivement, ouais, ça peut être problématique. Je vous mets là le lien, du coup, pour l'article Gamekult, là, sur le troll des jeux classiques sur Twitch. Et ouais, donc, effectivement, après, enfin, voilà, moi, je prends plutôt ça dans le sens, ça donne un signal aux autres éditeurs de jeux qui, si eux-mêmes veulent faire une semaine des fiertés, bah, ça peut être cool. Mais, effectivement, bah, Fortnite, quoi. Donc, pas... Sinon, si vous voulez vous amuser deux minutes, il y a un projet d'année pour clore ces actus. Il y a des gens qui lancent un projet d'animation sur PUBG. Ça a été lancé avec le créateur de la série Castlevania. On peut jeter un œil à ce que ça doit donner. Je mets du son. Back to the Highlands of Paramo. Voilà. A new way to transport your squad to the safe zone. Updates to Metal Mastery and the PUBG ID system. And lots more as season 11 begins and we dive into the latest PUBG patch report. Mais non, mais c'est même pas un preview de First up, de l'animation. One of our most popular new maps is returning. Mais ils sont pas. Ok, d'accord. Donc ils ont mis un truc random depuis UBG. Bref, n'importe quoi. Et donc, du coup, apparemment, ils ont signé un partenariat avec un créateur de série. Et du coup, ils vont faire un truc d'animation. Donc je vous invite à lire l'article. Si vous en avez envie. Voilà, un petit court-métrage. Du coup, ça peut être un truc sympa. Pourquoi pas si vous aimez bien PUBG. Ou même à titre indicatif, je dis, moi je m'y connais pas trop en PUBG, mais j'aime bien toujours voir des trucs d'animation. Ouais, il y a un partenariat Netflix dedans, ouais. Potentiellement.
Donc du coup pourquoi pas regardez, ça peut être sympa. Ça peut être une bonne idée. Et voilà, c'est tout pour nous en tout cas pour cette semaine au niveau actu. Ça m'a fait plaisir en tout cas de réussir à faire ce format et de réussir à avoir du contenu pour tenir mes 2 heures. Franchement, c'est cool. En plus, vous avez été nombreux, je suis très contente. Merci beaucoup d'être venus. Ça me fait super plaisir. Ça fait longtemps que je voulais lancer ce format. Merci. Merci, Negus Blaine. Franchement, les jeux, c'est ma passion, en fait. J'ai envie de parler que de ça sur cette chaîne. Et le problème, c'est que ça part à contre-courant de beaucoup de choses qui sont proposées sur Twitch parce qu'en fait, en gros, quelque part, pour réussir quand t'es une fille sur Twitch, faut faire du just chatting. Et moi, j'ai pas envie. je veux pas parler d'actualité tout court, je veux parler de jeux vidéo, je veux jouer aux jeux vidéo, et donc je ne ferai que ça sur cette chaîne, voilà. C'est mon parti pris, vous le connaissez maintenant. Même si je fais du just chatting, ce sera forcément sur du jeu vidéo. Ah, mais y a pas de souci, Yarmat, t'inquiète. T'inquiète, je sais, hein, quand j'ai pris la décision de cet horaire, je savais malheureusement que les gens du crew seraient pas dispo. Y a aucun soussaille. C'est... Ouais, ok, Méloris, bah, là, ça commence à 11h, normalement. Donc voilà, du coup, tout le mercredi 11h, maintenant, ce programme, mise à jour, sera disponible. Et peut-être qu'en plus donc, de mes lives de jeu, il y aura aussi, si j'arrive à me caler le temps... Un autre programme de revue de presse, mais qui lui sera consacré à la sociologie du jeu vidéo. Donc là, ça sera plutôt des articles, pas nécessairement d'actualité, mais des articles de presse de manière générale concernant la sociologie du jeu vidéo. C'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Bah parfait, nickel, Negus Blaine, c'est un bon truc ça. Après, pareil, oui, c'est vrai que vous pouvez pas avoir les articles, mais du coup, c'est aussi un truc que vous pouvez avoir en podcast, dans le casque, au taf ou quoi, surtout que c'est entre 11h et midi, enfin sur l'heure de midi. Donc éventuellement, vous pouvez quand même écouter en cours de route, quoi. Je pense que c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai mis cet horaire-là. Et je me suis dit, comme ça, sur 12-13h, vous pouvez passer sur l'heure où vous bossez pas. Vous pouvez jeter un œil. Voilà, et ouais, il y a peut-être un format socio qui devrait sortir à un moment donné. C'est vrai ? Ça, la classe. La classe, Negus Blaine, la classe. Ça, c'est un truc que j'aurais rêvé faire de mes multiples... Enfin, j'ai fait 50 trucs dans ma vie, mais la sociologie, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai pas de cursus en socio. On va partir avec des bases de personnes totalement débutantes, mais qui s'intéressent aux gens, de manière générale. Et donc, j'osais pas trop parce que ben il y a quand même des géants dans le milieu du jeu qui ont fait des trucs colossaux là-dessus. Je parle principalement de Game Spectrum. Et peut-être d'ailleurs que dans ce format socio, on ira carrément voir ces vidéos en fait parce que tout est dit. Mais il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont publiées depuis aussi les vidéos qui est à la sortie. Donc honnêtement... Oui, c'est accessible à ceux-là. Donc honnêtement, voilà, on va essayer de dénicher des articles de sociologie, des trucs récents, des trucs moins récents, des trucs qui se recoupent avec le contenu de Game Spectrum, des trucs qui se recoupent pas forcément. On va voir. Et voilà, ça sera bah, comme là. Je sais pas quel jour ce sera ni combien de temps ça prendra, mais voilà, je vais essayer de dénicher peut-être à chaque fois un article ou deux, et on va passer la session entière sur un article ou deux. Voilà. Mais sinon, pour ma part, vous me retrouvez ce soir pour du Minecraft à 18h. Et puis, vendredi pour du GTA, puisqu'il faut qu'on teste les mises à jour qu'on a vu dans les news. Voilà. voilà. À part ça, je vous fais des bisous si consentis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.